Venez, on fait 14 minutes à Tchoum là. Car j'ai un voyage à effectuer. Voilà. On fait ça chap chap. Et puis, on m'a fait PayPal. Yeah, ma chérie, c'est lundi, tu fais ton transfert de PayPal. Et t'envoies ton PayPal là-dedans. Ah, on voit un PayPal à 19h. Au nom de... Ok. Ok, merci ma belle. Je vais faire ton envoi le lundi parce que là, je pars sur la Belgique. Voilà, donc je serai de retour avant lundi. Donc c'est lundi que je veux ton truc. Voilà. Partagez un peu, partagez un peu, partagez, oh! Un peu, partagez un peu, partagez, oh! Partagez, oh, partagez. Ambe, partagez. Ambe, partagez. On va faire du sale. Ambe, partagez. On va parler du poucobo. Le poucobo, le poucobo. Je vous présente le poucobo. Le poucobo, le seul poucobo qui me reste. De toute façon, ils auront du poucobo. On peut avoir honte d'afficher le poucobo comme ça. Yeah, maman, la laideur. La laideur de la gloire. Poucobo. Femme, je vous présente la plus grande arnaqueuse. La voici. Parlez de qui? Vous avez parlé de ma mère? Ma mère est une femme digne. Oui. Même si elle n'a pas 5 francs, elle ne va pas voler, oh. Même si elle n'a pas 5 francs, elle ne va pas arnaquer, oh. Elle dort, elle a faim. Et puis elle est assise. Ma femme, c'est une femme battante. 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 C'est la même qui. C'est la même qui croisa son mari instituteur. Qui dit non, quitte ton village, quitte ta ville où tu es né, où toi tu as robinet. Et allons dans mon village où il n'y a pas de lumière. Allons dans mon village où il n'y a même pas bonne eau. Allons là-bas. Elle est allée par amour. Quand elle est revenue de ce village en question, elle a fait un champ de VA, un champ de cacao. Son homme auprès de ma mère. Grâce à ma femme, grâce à ma mère. Et aujourd'hui, ils sont en train de construire leur maison. Pas dans le vol. Al-Mustapha, son fameux. Le Kwabopu. C'est tout sa taille-là qu'elle a là comme ça. Hein. On commençait la biographie de maman d'abord. Ma mère a fait le lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro. En 1900, tu vois là-bas. C'est pas le lycée où maintenant, où enfants de boss rentrent. Non. Pour faire le lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro, il faut avoir un cerveau plein dans la tête. Oui, c'est à cause de ma grossesse que ma mère a arrêté les études. Parce que quand tu prends grossesse, et tout est fini pour toi. Oui, fille de ma mère. Grâce à elle, aujourd'hui, son mari est devenu propriétaire de champs d'EVA, de cacao, et aujourd'hui, il a une maison. Le corbeau pour Noissy. La naqueuse. Tu es bipodu. Tu as passé sur mes balles. Dangereusement. Je vais écarter ton con. Je vais écarter ton nien. Au passage, il faut dire à ta fille de te donner les gaines, s'il te plaît. Le corbeau. Ce ventre-là. Ce ventre que tu as, si. C'est pas un ventre que tu dois nous montrer. Ta fille, elle les remet, c'est elle qui soit une vente des gens sur Internet. Et puis toi, t'as un loup ventre comme cela. Le corbeau pour noir. Ah, la macanière, laisse macanière. Aujourd'hui, elle fait ta sauce. Non, hein, dépasser est mieux de... dépasser n'est pas là, la maca. Partagez le live, puis on va commencer, les amis. Je vais vous présenter, j'ai déjà fait la biographie de maman. On va faire la biographie de ce corbeau renard là, si, ce corbeau pou, un pou.
Une balle ronde, ça, quand tu la chutes, là, elle s'enroule jusqu'en... Pour aller tomber de l'autre côté là-bas. Ta taille, on dirait poule, là. Quand on dit que quelqu'un est né nécessaire, là, regarde ses doigts. Regarde ses bras. Moi, elle est long bras. Hein. Celle-là, elle va dans... Elle va dans le rayon des enfants pour se chausser. Bonsoir, je suis une de tes abonnées. Ah, Mirna, tu m'écris. Tu m'as écrit Mina ici. Je viens ici en live, Mina. Il va venir sur le live d'abord, puis il va te répondre là-bas. Mina, viens sur le live ici. C'est la maman de la coiffleuse. C'est sa maman qui est là. Quand elle dit que maman, elle est thune. Maman, elle est thune. Sa maman qui a, comment on appelle ça? Sa maman qui a fait Maca là, on dit que maman c'est une anacleuse, maman c'est Al Moussa, son femme, comme ma maman a la thune. Quelle thune? Ta mère est thune et puis tu souffres. Une famille de braqueuses. Oh, dis là, c'est toi qui es là. M'assois sur toi. Bon, les amis, papa, j'ai pu vous dire pourquoi est-ce que je vais m'asseoir sur ce corbeau en question. Voilà, partagez. Pourquoi je m'assois sur ce combat? Parce que je vais pas donner. Il faut que je montre les raisons. On va aller chez ma mère. Et la maman de service. Tu sais comment il va ici ma femme de maman. Eux, ils pensaient que ma maman était une laide femme. Eux, ils pensaient que ma maman était bizarre. Donc, c'était sa maman. Vous savez, les amis. Oh, la capture, là, même. Ah, je ne l'ai pas envoyée ici, mais ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas envoyé ici. La capture qui a commencé. Bon, j'ai mis sur Facebook la dernière fois que vous avez vu. Hein. Voilà. Voilà ma maman qui est là. Et voilà la main sanglante d'Emmanuel Keïta. Oui, parce que c'est Emmanuel Keïta, son année sanglante. C'est elle qui était là-bas avec moi. Voilà ce que la main. Ok. Mina, ok, il n'y a pas de souci, il faut venir. Voilà ce que la main sanglante de Mané Keïta fait sur ma maman. C'est la main sanglante de Mané Keïta. Oui. C'est la main sanglante de Mané Keïta. Qui met ça. Regarde son reflet dans la voiture. On dirait un personnage de mini-justicier. Chaussures 350. Faux bazin. 1000 francs. Garage habite. Regarde comment elle est sale. Chia, tu t'occupes pas de ta mère. C'est toi qui te joues les riches. Voilà. C'est ma belle-mère qui est là. Elle a son bazin. On dit que c'est un bazin de 1000 francs. Au moins, elle ne vole pas. C'est 1000 francs, elle paye son faux bazin. Elle n'a jamais dit à quelqu'un que oui, elle est riche. D'après vous, ce bazin, c'est moi, mais je l'ai acheté. C'est un bazin riche que j'ai acheté. Donc, je ne suis même pas là pour faire. Vous, mais vous savez que quand je vais m'habiller, là, ce bazin-là, c'est moi qui l'ai acheté pour donner à ma mère. Et vous savez que quand moi-même, je vais m'habiller, là, il ne m'habille pas sur AliExpress. Vous connaissez qui s'habille sur AliExpress? Il n'est pas porté les bons vêtements. Et puis, maman apprend connerie. Elle est ici, je suis en Europe ici. Et puis, maman, quand je lui envoie ces trucs-là, c'est le truc de marque et de qualité que je lui envoie. Non, c'est pas un faux bazin, ça ne faut pas t'en faire. Ce bazin, c'est moi qui l'ai acheté. Moi, quand j'achète paille, bazin, c'est des trucs de qualité que je prends vraiment. Et puis, la personne m'a quitté au Sénégal avec ça. Et puis, je dis, vous me connaissez, moi, je porte pas trop les trucs, les histoires de paille. Non, je ne sais pas trop ça. Donc, quand j'ai les bazins, les pailles, j'envoie ça à ma mère. Même quand j'ai parti au Sénégal, il y a les pays beaucoup. Même quand j'étais à Dubaï, les boubous de Dubaï, là, j'envoie ma mère. Au Maroc, j'envoie ma mère. Donc là, ma maman ne peut jamais payer pour le bazin. Quand tu rêves une femme comme ça, 1m78, ils ont dit oui, sa maman, ils ont pris photo de ma maman. Hein, où elle s'est mariée légalement. Maman est une femme mariée légalement. Quand oui, elle est naine. Quand j'ai montré la photo, leur bouche est fermée. Quand je suis 350. Mais si elle a parlé, je suis 350 de ma chérie. C'est ce qu'elle aime. Ici, même, j'ai payé talon pour envoyer. Elle me dit que ma fille ne peut pas marcher sur talon. C'est là que sa mère arrive et puis elle paye. Elle ne vous a jamais dit que. Comment on appelle ça? Elle est riche et puis ça. C'est quelqu'un qui porte, ma chérie. On va arriver. Voilà. Quand tu vends sirop pour grossir et supposé pour avoir gros cuit et ta main est comme ça,
publicité mensongère. Ma chérie, tu es vraiment bête, au fait. Ma mère est skinny. Elle n'a pas demandé à avoir, à être grosse. Tu penses que c'est tout le monde qui aime être grosse? Au contraire. Il y a des gens qui sont grosses, là. Elles préfèrent être minces. Femme, ça, là, ça, en temps normal, hein. Elle dit, ma maman devait venir en Europe avant moi. Tu connais ma maman? Maman devait venir en Europe avant moi. C'est la sorcière de son village qui a en fait qu'elle est restée là-bas. Sinon, maman devait venir au village, elle devait venir en Europe avant moi. Femme de blanc. 52 ans bientôt, mais regarde comment elle est fine. Elle mange pas mal, elle mange bio. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Tu veux comparer ma maman à qui? À ce poux-là? Quand tu regardes ce poux-là, on va arriver, on va voir le poux. Le poux, il est où? Le poux, le poux, le poux. Quand on dit le poux, elle est riche. On va voir où ça a quitté. On va faire sa biographie. Quand le poux est riche. Quand tu restes ce poux-là, tu peux la comprendre, maman? On a un sac à main de ma maman. Ça, là. Ce poux qui est arrêté là, là. C'est le sac à main de ma maman. Elle est mal nourrie. C'est ça, on dit que plus est mensongère. Maman apprend, elle apprend. Moi, je. Maman, elle a acheté cul pour faire quoi? Maman a acheté cul pour faire quoi? Hey! Quand elle se déshabille, là, son mari est fier, il n'y a pas gros ventre. Il y a mon seul. Il y a. Celle-là. Son ventre-là. Ses bras. Seins. Pieds. Tout est confondu. Même son con. Tout est confondu avec son ventre. Elle est en une boule. Et puis on la prend comme sac à main. C'est-à-dire ces petits doigts là. On attend. Et puis on prend ça comme sac à main. Et puis on marche avec ça pour partir. C'est ici qu'on dit publicité mensongère. Tu comprends? Quand on parle de publicité mensongère là, c'est ça là. Parce que tu peux pas dire, ah, les femmes qui ont gros ventre, pendant qu'elles poussent là, elles aiment, poussent là. Arrivez. Pendant qu'elles poussent là, elles aiment vieillir. Vous-même, vous l'avez vu la dernière fois. Vous l'avez vu la dernière fois. C'est femme qui a bien, qui a la réalité visée des femmes qui a Abidjan. La souffrance à Abidjan. Oui, quand Abidjan ne va pas là, il faut aller à l'intérieur du pays. Maman, elle a Djoko là. Elle n'est pas au village, mais c'est là au village, mais au campement. Mais elle vit à l'aise. Elle est bien. Elle n'est même pas bride d'Abidjan. Elle a Djoko où elle est en train de construire sa maison. C'est là-bas qu'elle est concentrée. Oui, 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 oui. C'est là-bas qu'elle est concentrée. Elle a Djoko. Son mari enseigne à Djoko. Il ne peut pas prendre mari des femmes, des gens. Et puis elle dit, viens partir. Ma mère ne m'appartient plus. Elle appartient à un homme. Oui, oui, oui. S'il y a des décisions qui doivent être prises là, c'est son mari. Mm-hmm. Elle a fait quoi à Abidjan? L'année passée, elle a fait vacances à Abidjan. Elle a fait il voulait qu'elle fasse un mois. Une semaine, elle a commencé à chanter dans mes oreilles. Foukou, foukou, foukou. Il fait comme si pas écouté ça. Je l'ai laissé 2 semaines, puis après elle est repartie. Vacances qui arrivent, ce sont mes petites soeurs jumelles qui vont aller à Abidjan. T'as compris? Ce que tu vois là, c'est le sac à main de ma maman. Mm-hmm. Grosse comme ça, là, tu peux mettre tout dedans. Même matelas, tu peux mettre dans elle, et puis tu te promènes avec elle. Tu as parlé de ma maman qui est élégante. Attends, on la montre encore. Jolie, oh. Ah, boudjouboud. Ah, bébé, yo. Oh. À 52 ans bientôt. Et puis elle est encore skinny. À 52 ans bientôt. Il n'y a pas assez de rides. Comme votre connerie qu'elle est ride actuellement. Regarde-la. Chut. Ah, jolie, oh. Ah, jolie, oh. Quoi, puiser mensongère. Ma maman t'a dit qu'elle est grossie. En fait, ta maman, vous êtes tellement bête. Quand une publicité mensongère, genre d'envoyer sur ma maman grossie, quoi. D'envoyer, il y a une sur encore. D'envoyer une tisane pour que maman puisse grossir. Maman t'a dit qu'elle a faim. Elle a promis qu'elle veut grossir. Gros ventre devant vous, là. Allez-y opérer ça. Elle a dit qu'elle a grossi. Quand, femme, ça là, beau. Elle a combien d'enfants? Maman a fait 4 maternités, 5 enfants. 4 maternités, 5 enfants. Oui, oui, je suis la première. Après moi, il y a un garçon. Après moi, il y a un garçon. Et après ce garçon en question, il y a des jumelles. C'est-à-dire, dans le ventre de cette femme, elle est sortie des jumelles. Mais regarde comment elle est à 52 ans presque. Regarde comment elle est encore. Elle se conserve. Elle est bien conservée, ma mère. Ma mère est bien conservée. Si c'était 2 personnes avec 4 maternités là, elles allaient devenir grosses. Mais elle est là comme ça, bien, avec le ventre plat. Attends, quand elle arrive à Abidjan, tu vas voir. Regardez, mettre le ventre en change. Regarde-la bien. Quand elle prend, comment on appelle ça, suppositoire pour avoir fesses.
Moi-même, je vais publier. Tu ne vas pas faire ça derrière moi. Quand vous publiez mensonger. Moi-même, il y a même supposé dans mon anus là. Tu n'as même fait ce qu'ils ont sorti. Hein? Quand ta maman dit. Il faut aller chercher. Il faut aller donner game au pou. Ça l'a déconcentré un peu. Elle est mal concentrée dans des tomates dans boîte. Comparé Miss, cette femme intelligente. Va au lycée, mamie Adjoa. Pour moi, c'est pas les ho, les hi. Va au lycée, mamie Adjoa. Et cherche les anciens élèves de lycée, mamie Adjoa. Tu vas trouver son nom là-bas. Ça chopoué. C'est pas une braqueuse. Le pou. Regardez-moi le pou. Je vous présente le pou. On va aller sur l'histoire de ce pou en question. Une femme moche qui s'habille. Habille la même habille. Partagez. Il y a son petit partage. Partagez. Ça là, quand tu regardes ma maman là, elle porte tout et tout lui va. On ne sait pas si c'est robot, si c'est jupe, si c'est robot, si c'est jupe, mais c'est en haut. Qu'elle a porté là. Ya, ça c'est un haut pour maman qu'elle a porté. C'est qu'elle a porté là, c'est en haut, c'est pas robot. C'est un wo, c'est pas robe. Le poussi, Ali Mustapha, son femme qui a fait la maca. Celle-là, elle a fait maca. La maman de la femme de 30 ans, laisse sa biographie. Non, hein, c'est pas JP Breda, c'est un wo. C'est un wo qu'elle a porté. C'est pas salopette. Qui est celle-là, elle n'a jamais salopette. Elle porte le wo. Elle va dans rien des enfants et puis elle choisit le haut là-bas. Les t-shirts. Le... Et puis ça fait robe si elle. Ah! Ouh! 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 Micheline. Micheline, pourquoi tu nous as fait beaucoup de mal? Le jour, elle a tenu le micro là en main là. Pendant qu'elle a pas flotté. Une grosse menteuse aussi. Il y a fini de dégonfler tes joues là et puis on laisse ta biographie maintenant. Une grosse menteuse aussi. Regardez. Chien n'accoute pas chat. Ma maman là, on l'appelle Kadhafi. Ma maman est battante. Ma maman elle a fini par là. Elle est frappe garçon. Propre. Maman. Souvent elle dit Sylvia. Hi. Tu es trop truqueuse. Parce qu'il y a une dame au village. Hein. Père, son nom qu'on appelle Tchè. Tu avais dit famille. Tu as oui, ça dit famille d'argent. Donc, c'est le nom de la femme là, parce qu'elle est décédée. J'ai fait des signes comme elle. Parce que chez nous, les guerriers là, on dit les hommes ne meurent pas. Ils reviennent. Donc, j'ai fait des signes comme elle. Et quand ils ont dit le nom de la femme là, et puis, j'ai arrêté de pleurer. C'est-à-dire, j'ai pleuré pendant des jours, je ne m'arrêtais pas. Et puis, quand ils ont dit le nom de la dame, et puis, j'ai arrêté de pleurer. C'est comme ça, on dit que, ah, c'est la dame qui est revenue en moi. Quand on dit la femme au village là-bas là, pendant qu'elle n'est pas là au village là-bas. Qui paie elle? Personne ne paie la femme là. Et puis elle sait vendre. Elle est vendre, mais elle n'a pas fait d'enfant. Elle n'a pas fait d'enfant. C'est ce côté-là que moi j'ai pas pris chez elle. Donc, comme maman, elle dit, ah, maman dit, tiens, toi la même là-haut. Vraiment, c'est la vieille là qui est revenue en toi, vraiment. Yeah! Ton affaire est dure. Ouais, ton affaire finit pas. Il dit, hé, hey! Il dit, c'est moi. Toi et puis papa, vous deux là. Toi d'abord même t'as fini ça. Papa aussi là. Non, c'est Paul. Lui-même c'est le là-bas. Lui-même c'est un organisateur de combat. Il n'a pas bon appui, n'avait pas bon esprit à tiens là-bas. Maintenant, plus la vieille qui a donné mon nom. Donc, si moi j'ai fait ça, ça a mal dosé. Et puis on courait comme ça un jour. Elle dit, quand elle parle, il y a vieilli. Et c'est quand elle dit, il y a vieilli. C'est-à-dire, j'ai tout pris chez ma maman. Son comportement, sa manière d'être. Oui. Elle vole pas. Maman vole pas. Chez nous, on vole pas. Chez nous, tu voles, là. Mon oncle, là, il met, peut-être que si tu voles, c'est que c'est sort. Sinon, il y a l'autre, si tu voles. On vole pas chez nous. Pardonnez, partagez, avant qu'il ne commence. Parce que j'ai pas encore commencé. Donc, partagez le live. Il faut partager le live. Vous m'avez dit hier de faire le live, non? Donc, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Les partages sont pas beaucoup. Avant que je ne commence. Donc, partagez, parce que ce soir, on fait la biographie de cette femme en question. Et puis, vous allez appeler, vous allez bien l'insulter. Bon, hop! Quand ils vont quitter dessus, là, la main sanglante, là, ils vont plus jamais insulter maman de quelqu'un. Parce qu'on va récupérer. Celle qui a la main sanglante, là, voilà sa mère qui est ici. Voilà.
celle qui est Ahmed, à cause de moi, 2 jours, là, ils sont partis créer, ils ont renouvelé encore Ahmed Sanglat, ils ont recréé encore. Donc, celle qui est Ahmed Sanglat, là, on va prendre sa maman et puis on va lui faire ça propre, comme il se doit. Elle connaît sa maman. Sa maman l'appelle. La dernière fois qu'elle est talonnée, là. Sa maman l'appelle. Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux ça? Elle a fait parler à sa maman. Quand qu'il a, où on parlait sa maman, là? On a même pas encore dit sa main. Et puis, elle a commencé à crier dans l'oreille de sa fille. Mais ce qu'elle t'a fait aujourd'hui, là. Yeri. Ce qu'elle t'a fait aujourd'hui, là. Yeri, mamie. Et c'est toi qui as attaqué. C'est fini, hein. Ils ont 20 balles comme cela. Quand il m'assoit, il me réveille. Il te chute comme un ballon. Ça y est, tous les matins, quand il me réveille, souvent quand il se fait générer, il te chute comme un ballon. Le pouls. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, on va commencer les choses. Voilà, partagez, on fait la biographie de ça là. MC Kwae, il faut arrêter de rire. Et tu ris seulement pour comprendre ces déficits. Ok. Il était bloqué encore. Voilà. Maman, là, tu as dit d'arrêter de rire. Tu ne me connais pas encore. Voilà. Partagez. Donc, le pouls, on commence. Qui est ce pouls-là? On va faire la biographie de ce pouls en question. On va commencer. Qui est ce pou? Ce pou que vous voyez ici est né à Boaké. Elle est née en 1959, voire 1958. Vous voyez sur les extraits, il y a un côté c'est écrit 59, il y a un côté c'est 58. C'est que sur elle est née là, à Boaké. Ce pou a fait 6 enfants. Je viens vous montrer quelque chose. Voilà. Voilà le document. Donc, vous voyez. C'est ça que vous allez voir. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Voilà. Voilà ce poule en question. Ce poule s'appelle Micheline Keïta. Vous voyez, non? Il a mis une partie du document. Micheline Keïta demeurant chez mademoiselle Atobra Muriel. Muriel, c'est sa fille. Sa deuxième fille. Voilà, celle que j'aime bien. Bon, Muriel, excuse-moi, hein. Voilà, c'est pas ta petite soeur là. Elle gère la mère sanglante. Et puis la mère sanglante a invité ma maman que tout a sorti au dû. Voilà. Donc, elle est née le 8 septembre 1959 à Boaké, Côte d'Ivoire. Tout Boaké connaît son mensonge. De George Louis Keïta. On va arriver à tout ça aujourd'hui. On fait la biographie. Voilà. Elle est née de George Louis Keïta, né le 8 juillet 1935 à Bamako. Donc, cela veut dire que Micheline Keïta est malienne. On va aller tout doucement. Cela veut dire que elle est malienne et non ivoirienne. Parce que le père est malien. Bamako, Soudan. Je vais vous expliquer la guerre du Soudan, là. Ou bien, allez-y sur Google, vous faites des recherches. Tous ceux qui sont des trucs de Soudan, avant, il y a un accord. Et cet accord-là fait qu'on leur donnait la nationalité française. Voilà pourquoi Georges Louis Keïta a eu la nationalité française. Donc, Georges Louis Keïta a marié une Française en 1959. C'est-à-dire, le 5 décembre 1959, il s'est marié. Et lui aussi, Michel Keïta est né aussi en 59. On va arriver tout ça dessus. Parce que je vais vous parler de George Keïta aussi. J'ai fait la biographie aujourd'hui.
Donc, il s'est marié à Hélène. Bon, c'est moi qui ai le document. Tout à l'heure, je vais vous montrer la vidéo au complet. Il s'est marié à Hélène Dacour et ils ont divorcé après. Après, Georges Keïta s'est remarié à Diaratou, je pense bien. À Diaratou, mais quoi là? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, voilà, elle est fille de Lucie Frédéric Keïta. C'est bizarre, hein? Père Keïta, maman Keïta, on va arriver dessus. Ça sent du bâtardisme. Oui, 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 oui. Ça sent du bâtardisme. Pourquoi ça sent du bâtardisme? Parce que Georges Louis Keïta et Lucie Frédéric Keïta viennent de la grande famille Baba Keïta du Mali et sont de la même famille. Donc, Baba, il vient de là. Georges Louis Keïta et Lucie Frédéric Keïta perdent son âme. Les deux perdent leur âme. Oui, parce qu'ils sont décédés. Georges, lui, il est décédé en 2010, je pense bien. Lucie, en 1997, je pense bien. Voilà. Donc, Lucie, je vais vous la montrer tout à l'heure. On va montrer le visage. Il a dit, j'ai fait la biographie aujourd'hui. Oui, la guerre du Soudan, c'est ça, Rokiatou Kaba. Tous les Noirs qui ont fait la guerre du Soudan au Mali ont été naturalisés français. Voilà, c'est comme ça. La guerre du Soudan. Si vous prenez l'histoire, vous allez voir. Voilà pourquoi c'est marqué sur le document Soudan. Pour qu'ils puissent se reconnaître. Même quand vous tapez le nom de Georges Keïta Louis, il est dans le registre ici en France en tant que quelqu'un qui est décédé. Voilà, quand vous tapez son nom. On va y aller. Donc, Micheline Keïta est française en application de cette loi en question qu'elle a. Oui, elle est française. Voilà ça qu'elle a. Cela ne veut pas dire que ses enfants sont français, hein? Non. Micheline Keïta, j'ai sa pièce ici avec moi. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est française. Voilà, c'est le document qu'elle a. Parce que je vais vous montrer un document où, en 2002, elle n'était même pas encore française. C'est-à-dire, elle a été française tout dernièrement là. Je pense que ils ont donné sa carte française là en avril 2021. C'est en avril 2021 qu'elle a sa carte en question. Et là, elle fait croire aux gens qu'elle a dit ici son adresse, c'est l'adresse de sa fille. Voilà. Voilà, c'est l'adresse de sa fille. Quelle amie. Vous voyez, chez Mademoiselle Murat, elle était chez sa fille. Ils doivent être cousins, ça ne se fait beaucoup chez nous. Fatoumata Baitili, il faut te calmer, il faut te taire. Et puis tu m'écoutes. Tu connais pas l'histoire, il faut te taire. Voilà. Donc, je vous montre Micheline Keïta. Je vous montre Keïta El George. Un joli garçon, le monsieur là. C'est lui, c'est qui me plaît. Voilà le voici qui est là. C'était un journaliste à la retraite. Voilà, il est décédé le 1er mai 2010 au CHU de Trècheville. Je vous rappelle qu'il habitait Trècheville, ce monsieur. Il habitait à Grand Bassam au moins. Il a des constructions à Trècheville et à Grand Bassam, ce monsieur que vous voyez là. Voilà, c'est monsieur Georges Keïta qui est là. C'est lui là. Vous comprenez, c'est lui là. Et je vous présente Lucie Keïta avec son ex-mari, monsieur Ben Soumaro qui est décédé. Voilà Lucie Keïta, elle était belle aussi. Voilà Lucie Keïta avec son ex-mari. C'est-à-dire, même quand elle vivait, elle a divorcé de ce monsieur en question. Voilà. Elle s'appelle Keïta. Son nom, c'est Keïta, Lucie Keïta. Voilà qu'elle a. Bon, on a fini les biographies de ce pou. On revient sur le pou. Monsieur Kwame, le pauvre monsieur, il sera affiché aujourd'hui aussi. Monsieur Prekwajo, vous voyez son nom, c'est Prekwajo Jacob. Voilà ça. Ce monsieur, en vérité, il n'a pas d'enfant. Il a adopté des enfants.
Donc, je vous présente les visages parce que je vais parler d'eux tout à l'heure. Donc, retenez bien les noms et puis j'ai allé dans la chronologie des choses. D'accord? Donc, voilà M. Prekwajo Jacob, frère au ministre Aoussi Kouadio de la Côte d'Ivoire. Il était secrétaire. Il est décédé aussi en 1997, en 2017 au moins, excusez-moi, voilà. Date de décès, 21 janvier 2017. Voilà. Parce qu'on va faire la biographie. Kouadio. Kouadio. Aungé. Aungé. Litenga Aungé. Otima Kouadé. Aungé. Aungé. Likenga Ayo. Otima Kpa. Otima Kpa. Otima Kpa. On voit les gars. Sylvia nga otsa bankanga Sylvia otima bankanga otsa sankpa Sylvia tu sankpa akolele aseke ame sangan a montré photo de maman de Sylvia. Sylvia aussi tu la connais aussi. Je vais parler maintenant en français, on parle en guéri. Adibo Sylvia me adibi he on de goya. Adibi yu zanu e un yine di wong gri. Adeye wa atmo a me sanglete umu a do a photo mu do wa gri ado adibu o umu a mu ye yon gri e onze man nambo mase man na uyu bu gri ba e po uyu bu nu wong yon ge adibi wa a pa obobo on parle en français. Kouadio, Kouadio, tu connais bien Sylvia. Tu sais que l'affaire de Sylvia, ça finit pas. Tu es allé en justice, hein, Sylvia. Tu peux pas la laisser en paix. Hein? La pauvre fille assise, elle fait ses lives, bête, elle danse, ses abonnés rient à elle. Ben, comment elle danse, ça te plaît pas? Tu t'en dis à ton ami sanglante, insulte sa maman. Tu sais bien que elle, là, quand tu insultes sa maman, ou même une personne, elle va prendre ta génération. Elle va aller prendre tout. Elle va aller chercher. Elle va aller chercher loin là-bas. Elle va commencer à les insulter propre jusqu'à arriver là où il faut. Tu connais. Mm-hmm. Tu connais. Et puis tu la laisses pas en paix. Si elle vient te dire que elle où elle est là, même si c'est la mort qui la fuit, sinon elle si elle meurt là, elle va rejoindre Arafat et puis son pas. Ça veut dire que elle-même là. C'est parce que Dieu même a envie, Dieu même a envie qu'elle ait envie, Dieu même a envie que elle vive et puis elle a commencé, sinon elle, elle meurt pas. Quelqu'un même qui a fait tentative de suicide quand elle avait 15 ans, 16 ans. Parce qu'elle voulait rejoindre son papa. C'est pas Dieu même dit tu vas t'asseoir là. Un jour tu vas rire. C'est elle, tu viens t'asseoir pour provoquer. Quelqu'un même là qui a une addiction, c'est où elle est malade. Elle est là, elle cherche papa. Depuis que tu l'as appris à casser la papa, elle cherche papa. Maintenant, elle a commencé à se traiter. Elle était bien. Elle a commencé bien. Elle se remettait un peu. Voilà, maintenant, tu dois chercher sa maman. Tu sais que les additionnés là, eux, ils sont bêtes. C'est comme, je suis additionnée. Je suis addictée. C'est l'addiction qui fait tout ça. Oui. Je suis pas normale de ma tête. Oui. Toi-même, tu as dit au Kouadio. Tu as bien dit quoi, que non, j'ai devenu folle, non? Ah, c'est que c'est la folie là qui est là comme cela. Ah, t'as même dit non, que c'est l'Asie qui me... Ça y est, on me met dans l'Asie de fou, non? Pas de problème. J'ai fait un parti rapidement. Ta mère compte mettre de ce témoin dit ça. Idiote. Donc, je vous ai fait la biographie, on revient sur le pou. Qui est ce pou? Qui est ce pou? Ce pou que vous voyez est mère de 6 enfants. Ce soir, j'ai pris cette photo. Quand il est framponné ici, bébé you, tu n'as rien à voir, mais tu vas prendre les peaux cassées parce que je vais parler de quelque chose qui te concerne. Je ne vais pas m'en rejouer de ça. Voilà, ta photo, j'ai pris cette photo là même où on ne te voit pas bien. Mais tu sauras qui tu es. Voilà, ça c'est la photocopie de Kouadio qui est là. Ça c'est la sœur, le cinquième enfant du pou. Voilà, celle-là. Elle s'appelle Cynthia Bokro. Voilà, Cynthia Bokro, le sixième enfant de ce pou. On va y aller tout doucement.
tu vas prendre une balle perdue ce soir. Faut pas m'en vouloir. C'est comme ça, ça y est. T'as compris? Cynthia, c'est pas de ma faute. Il faut comprendre que quand on touche à ma mère, il fait le combat. Voilà, de la manette, il y a même ta maman là. Il y a ma maman aussi. Donc ce soir, tu vas prendre une balle perdue. Une légère balle perdue. Je te préviens. Je suis en train de te faire truc pour que tu n'aies pas mal, quoi. Là, tu vas pas avoir mal. Voilà, tu vas pas avoir mal. Tu veux un peu? On va y aller. Donc, qui est ce pou? Ce pou que vous voyez qui est là s'appelle Micheline Keïta. Elle est née en 1959. Micheline Keïta a grandi à Boaké. Et tout Boaké sait que cette femme-là, c'est une voleuse. Elle volait à Boaké. Elle faisait du n'importe quoi. Cette femme que vous voyez là, c'est une grosse voleuse. Elle a grandi avec ça. En Côte d'Ivoire, on l'appelle Al-Mustapha, son femme. Pour ceux qui connaissent Al-Mustapha qui est en prison actuellement, ils savent de quoi. C'est une grande mamailleuse, une grosse voleuse. Et je vais vous démontrer ce soir. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Elle a fini à aller en justice avec les gens. C'est, elle n'a pas raison, hein. Elle fait les conneries, elle fait la mamaille et puis elle t'envoie en justice. Cette femme que vous voyez là, c'est son travail. Pour finir aujourd'hui là, elle n'est plus rien devenue, elle n'est plus rien. Elle n'a plus rien. Elle n'est plus personne au fait. Elle vit aux dépens de ses filles qui envoient un peu, jusqu'à la maladie veut en finir à elle. C'est-à-dire quand tu voles jusqu'à et puis après tu n'es plus quelqu'un là. C'est comme ça. Cette femme que vous voyez là, elle a été mariée. Elle a été mariée. Elle a été mariée à monsieur Prékouadio que voici, que j'ai montré. Ce monsieur, ce joli garçon là. Elle a été mariée à ce monsieur Prékouadio qui n'avait pas d'enfant. Il a marié. Et puis, après il est décédé. Ils se sont séparés vite. Hein. Après il est décédé. Si vous voyez que le troisième enfant bâtard dit toujours que oui, maman est riche. Que lui, on a fait les grandes écoles. C'est à cause de ce monsieur qui est PDCiste, dont le frère a été ministre plusieurs années. C'est-à-dire, dans leur famille, là, ils ont l'argent. C'est à cause de ce monsieur en question. Ce monsieur, avec ses propres spermatozoïdes, n'a jamais fait d'enfant. Ce monsieur que vous voyez là. On a envoyé son âme, son corps au Mali, pour le Bagbadji là-bas propre. Et puis, il a adopté deux enfants bâtards. Je vais vous faire la biographie de tout aujourd'hui. Stéphanie Keïta. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Parce que mine de rien, tu es quelqu'un de bien. Oui, tu n'es pas dans les oh, tu n'es pas dans les ha. Mais tu vas prendre une petite balle perdue ce soir aussi. Parce qu'il s'agit de ma mère. On ne touche pas à ma mère. Attendez, je vais... Oh, tu es venu m'appeler, ça a gâté, ça a diminué mes... Attendez. Je viens. Je vais me mettre dans la cuisine pour ne pas gêner. Il va m'enfermer parce que lui, il paye chaque fin de mois 62 euros. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas. J'ai pris le meilleur boss. La meilleure qualité de boss. Oui, boss, mais. Pour ne pas gêner les gens. Voilà. Vous-même, vous parlez la même là. Vous insultez, pourtant vous êtes vous. Ils sont, vous venez vous affairer pour voir aussi. Hein. Et puis, ils font semblant d'insulter. On peut se torturer comme cela. On peut se faire du mal comme ça. Ce soir, je vais crépiter sur vous. Hier, vous êtes à Dieu. Hier, vous commencez là. Vous n'avez pas fait live sur moi. Hier, vous allumez propre. Et puis, c'est moi qui s'en va. Voilà. Vous n'avez pas fait live, vous n'avez rien fait. Et puis elle finit, mais comme encore. Si elle est femme, elle n'a qu'à sortir pour faire une petite injure. Ça, elle connaît. Depuis qu'on est juge, je l'ai mis au ouf. Elle connaît. Venez encore. Pensez que c'est avec moi. Donc, on va y aller. Ne vous pressez pas. Donc, c'est pour que vous voyez. Je me mets dans la connexion. Voilà. C'est pour. Le sac à main de ma mère. C'est ça là. Son con, ses bras, ses pieds sont confondus à son ventre.
Ça y est, quand elle est arrêtée là, tu penses que son ventre qui traîne à terre. Oui. Quand elle est assise là, tu cherches ses bras. Tu penses, quand tu, son bras te touche, tu penses que c'est son ventre qui te touche. Son ventre est large. C'est la même, mais le ventre est monté jusqu'à la poitrine. Attendez. La confirmation aujourd'hui. La confirmation de ça. Votre les monter jusqu'à la poitrine. Attendez, je cherche quelque chose là-dessus. J'ai même pas fait mon gombo là, et puis je m'en vais. Mon gombo. La sauce gombo dans la lagune. La lagune. La sauce gombo de la lagune de gloire. De la gloire. Voilà. Je cherche un support pour le téléphone. Voilà. Bon. Donc, vous voyez ce qu'elle a là. Quelqu'un qui a. C'est la femme. Hein? C'est la maman. Maman la prend en sac à main. C'est le sac à main de ma maman. Femme extraordinaire, tu laisses message. Donc, vous voyez. Oh, portable, là, reste tranquille. Restez là et viens. Tu as essayé de m'appeler, tu vois que je suis en live. Tu as essayé mon snap, tu vois que je suis en live. Donc, elle a 6 enfants, c'est-à-dire 2 bâtards sans père, c'est-à-dire 3e enfant, et puis ça y est, 2 grossesses, hein. 2 grossesses sans père, 3e enfant et 4e enfant sont des bâtards, elles n'ont pas de père. Dans la ville, et beaucoup de personnes le savent, le monde entier sait que c'est souvent le premier enfant, généralement, hein, quand on dit, ah, quand un homme n'a pas reconnu de grossesse, c'est que c'est le premier enfant, on ne reconnaît pas. Parce que ça, on dit souvent, ah, c'est mon enfant de jeunesse. Et généralement, c'est ce genre d'enfant qui réussit dans la vie. Le premier enfant de jeunesse, où papa est jeune, maman est jeune, ils sont inconscients, et puis ils sont enceintés, et puis le père ne peut pas s'occuper de l'enfant. Voilà. C'est ça généralement quand on voit ce genre de personnes qui ont des enfants sans père. Et ça, on le conçoit. Et ça, on l'accepte. Parce que c'est beaucoup fréquent partout dans le monde. Mais tu finis de faire premier enfant. Tu fais 2e enfant. Et puis 3e enfant, là. C'est bâtard. 4e enfant, c'est bâtard. C'est pas... C'est, non, ça, c'est moi, on peut pas accepter. Ça, c'est moi, on peut pas accepter ça. Tu fais premier enfant, on connaît son papa. 2e enfant, on connaît son père. Et puis 3e enfant, la même âge. Je connais pas son nom, hein. Je le cherche. Donc, attends d'abord. Peut-être, il peut y avoir 3 bâtards. Mais moi, je connais 2 bâtards pour l'instant. On va aller sur les 2 bâtards que je connais. Tu fais premier enfant, Muriel. Premier enfant, Hervé. C'est un garçon. Elle a 4 filles, 2 garçons. Premier enfant, Hervé. Bon, je suppose que Hervé a son père. 2e enfant, Muriel. Muriel à ton bras à son père. Elle a sa famille. Son père l'a reconnu. 3e enfant. La caniche de Facebook. Elle est bâtarde. 4e enfant, je glisse dessus parce que je n'ai pas promis à elle. Elle est bâtarde aussi. Mais c'est à cause d'elle que c'est à cause de toi et ta fille que je prononce son nom. Parce que si vous ne m'avez pas provoqué, je n'ai pas fait ça. Toi-même, si je n'ai pas su toi aujourd'hui, c'est à cause de ta fille. Parce que vous voulez envoyer le game là. Là où il faut envoyer le game. Moi, je vous ai dit, oh, là où vous partez, je roule avec vous. Ça chauffe. Ouais. Là où vous m'emmenez sur n'importe quel terrain, là, je roule avec vous. Et c'est vous qui allez pleurer. Ce soir, Keïta, Micheline, tu vas pleurer ce soir. Donc, 3e enfant est bâtarde. 4e enfant est bâtarde. 5e enfant, celle-là. Cynthia Bocro. Elle a son père qui s'appelle Monsieur Bocro. 6e enfant, c'est Malik. Il y a un Sénégalais gros nez là. Attends, on va aller sur ta page. J'ai oublié de prendre la photo là-même ici. Micheline Keïta. Micheline. Keïta. Voilà. La voilà, hein. C'est le profil qu'elle a, hein. Où il y a bébé là. Ça, c'est le bébé de sa 4e enfant bâtard. Le bébé de Stéphanie. Bon, Stéphanie, je ne vais pas prendre qu'elle. Son 6e enfant là. Voilà son papa. Lui, c'est un Sénégalais. C'est lui qu'elle a. Le papa de son 6e enfant qu'elle a. Monsieur Aloun Tidiaï, je ne sais pas quoi. J'ai oublié son nom. Son nom doit être quelque part. Attendez, vous allez voir son nom. On va mettre les photos, vous allez voir son nom. J'ai oublié un peu son nom. On va mettre son nom. Yeah, 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 yeah.
L'ennemi. Attendez. Voilà. C'est ça, il est bien trouvé. Il s'appelle Alun Tijai. Le voilà son nom qui est ici en commentaire. Il s'appelle Alun Tijai. Elle a dit. Voilà. Les comportements d'afficher les gars sur les réseaux sociaux là. Il y a longtemps, ils sont dedans. Attendez. C'est le beau, oui, c'est Alioune Tidiane, le papa de Malik, dans son dernier fils Malik là, c'est le monsieur qu'elle a fait. Et encore, ils sont légalement mariés depuis. La femme là, t'es légalement mariée depuis, puis et puis ton cousin n'est même pas au courant. Attendez, il prend mon chargeur. Ouais, le pouls. Le pou, tout bave sur elle actuellement. Le pou avec le gros ventre confondu. Le pou avec le gros ventre confondu. Donc, on va y aller. Le pou avec le gros ventre confondu. Le pou. Sa fille dit, elle sauve des femmes en leur donnant des gaines pour avoir ventre plat. Mais le pou a un gros ventre confondu à tout son corps. On ne sait même pas où est pied, où est bras, où est con. Où est... vous les hommes là aussi. Oh. Bon, on dit que ce sont les vilaines femmes qu'un garçon qui gagne mari. On va y aller. On va commencer. Je viens, je mets le code du téléphone. Voilà. Donc, je vous ai montré ces enfants. Chaque enfant qu'elle a fait, je n'ai pas voulu montrer les autres. Stéphanie, Muriel, tout ça, je n'ai pas voulu vous montrer. Voilà. Malik, je ne connais pas Malik, où il est. Donc, chaque enfant qu'elle a fait, ici en France et là-bas en Côte d'Ivoire, je vous signale qu'elle a deux, elle a trois enfants en France. La troisième bâtarde, Muriel et puis Hervé. Maintenant, il y a trois qui sont au pays. Stéphanie, Cynthia et Malik. C'est-à-dire, il y a deux filles, un garçon au pays. Et puis, il y a deux filles, un garçon ici en France. Ils ne sont pas venus en France en tant qu'enfants français, hein? Pas du tout. Vous connaissez l'histoire de la bâtarde? La bâtarde est venue ici. En France, voilà, comme ça. Muriel, elle aussi, elle est venue aussi comme ça, même chose de même. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, là, ils n'ont jamais mis les pieds en France. Hein. Ils n'ont jamais mis les pieds en France. Ils n'ont jamais pris, ils n'ont même pas passeport même pour venir ici. Je vous ai dit que son affaire de français, c'est tout récemment qu'elle a eu, elle a eu la nationalité française. C'est tout récemment là. Son affaire là est compliquée. La banque qui dit, je montre. Le récépissé de renouvellement des premiers tours de séjour de sa fille ici. Ça chauffe quoi? Voilà. Où est le pou même? Je cherche la photo d'abord. Le pou. Voilà. On est sur le pou. Donc, le pou. Le pou a fait. Elle a fait. Elle avait son premier fils. Le pou a fait Hervé son premier fils. Elle a fait Muriel, sa deuxième fille qui est un père. Elle a fait la bâtarde en 1987. Elle a fait le quatrième bâtard. C'est-à-dire, il y a troisième bâtard. Il y a premier bâtard et puis il y a deuxième bâtard. C'est-à-dire, son quatrième enfant bâtard. C'est là qu'elle croisa Monsieur Kouadio que vous voici ici. Voilà Monsieur Kouadio Jacob. Ça, c'est. Acte de mariage. C'est copie d'acte de mariage qu'elle a. Vous voyez? C'est copie d'acte de mariage qu'elle a. Le numéro est là. C'est fait le 5, comment on appelle ça? Le 5 septembre 2002. Donc, c'est-à-dire qu'en 2002,
C'est en 2002 qu'elle s'est mariée avec M. Kouadio. Vous comprenez? C'est en 2002 qu'elle s'est mariée avec M. Kouadio. Et quand M. Kouadio venait se marier avec elle, il n'avait pas d'enfant, le monsieur. Il n'avait pas d'enfant. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il n'enfantait pas, mais il n'avait pas d'enfant. Donc, c'est comme ça que il a vu deux petites filles, une petite de peut-être de 15 ans, mais de 16 ans, et puis une petite de 13 ans par là. Voilà. Et puis, il décida de les adopter. D'où, on va laisser l'extrait de naissance. Quand on parle de cette histoire, je vais vous montrer un extrait de naissance qu'elle a. La bâtarde. Deuxième bâtarde. Première bâtarde. Première bâtarde. Voilà. Vous voyez bien l'extrait qui est là. On va lire ensemble. Hein. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais bien essuyer parce que j'aime quand vous lisez. Quand vous lisez bien l'écriture, c'est bien visible, c'est bien lisible. Donc, vous voyez, pour vous dire que mes 10 sont vrais, je vous montre l'extrait de naissance-ci. Cet extrait-là, déjà, la bataille a déjà montré sur... Elle a déjà mis ça sur Facebook. Donc, ce n'est pas une invention. Donc, non, ça c'est la capture des deux. Mais j'ai pas pu envoyer. Ah, mais moi, j'envoie mes trucs quand même, comme moi-même. J'envoie les choses, c'est pas au complet. Et puis, je pense que j'avais tout envoyé. Oh. C'est quelle manière de faire des trucs comme cela? Bah, je te dis. Attention, j'aurais pu tomber. J'aime pas les choses comme cela. Quand j'ai fait les trucs, pourtant, je pensais que j'avais tout envoyé. Donc, on va lire un peu ici. Vous voyez? Voilà l'extrait de naissance de la bâtarde. Voilà, là, voilà. Elle est sans père, c'est pas une injure, c'est une vérité. Voilà, donc c'est une bâtarde. Donc, on lit ici. Le 6 janvier 1987, à 14 heures. Ça m'énerve. Quand je dois avoir des documents et puis je laisse tout comme ça, ça m'énerve grave. Pourtant, je pensais avoir tout mis. Je n'aime pas ce genre de rêve que je fais. Ah, je te dis. Ah, je te dis. Voilà. Heureusement que j'ai envoyé la vidéo. Et puis, c'est même pas la vidéo que je voulais. Il y a une vidéo qui fait un ralenti là. Je ne sais même pas si j'ai envoyé mon père. Mais puis après, j'ai mis la vidéo qui fait un ralenti. Voilà. Donc, vous voyez bien. Oui, j'aime quand c'est écrit comme ça, bien. Le 6 janvier 1987 à 85. Oh my God. Don't fatigue me. Hein. Bon, là, on voit bien le nom. Vous voyez le nom, non? Voilà, vous n'avez pas vu ça premièrement. Voilà le nom qui est là. On va reculer. Vous avez vu le nom, hein? Ah, je te dis. Voilà. Donc là, on va bien. Le 6 janvier 1987, à 4h24 minutes, est né au centre hospitalier universitaire de Cocody, commune de Cocody, Pokle Nanyo, Louise Adolphine, Mamie Adjoa, du sexe féminin. Ayant pour mère, le nom de la mère est bien précisé. Je viens. On va demander quelque chose, voilà. Donc, le nom de la mère est bien précisé. Vous savez que si un extrait de naissance, il y a toujours le nom de la mère et du père. Donc voilà pour elle qui est écrit ici. Ayant pour mère K.
Keïta Micheline naît le 8 septembre 1958 à Boaké. Voilà, de Boaké, secrétaire domicilié à Abidjan Cocody, de Plateau. C'est-à-dire, en 1996, sa maman habitait Cocody, de Plateau. Voilà. Et on saute la partie du père. Voilà, on saute la... Moi qui m'envoie les trucs là, il faut m'envoyer sur son compte en question, là où elle a mis sa maman là, il faut m'envoyer aussi la capture, fais la capture puis tu m'envoies pour qu'on puisse prouver ici. Bon, envoie-moi la capture rapidement. Donc vous voyez, c'est marqué ayant pour mère, mais la place du père, on ne voit rien. Vous voyez? La place du père. Là où on t'a dit, ayant pour mère, tant, 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 et ayant pour père, monsieur Keïta, tant, 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 Jakuba avec le gros Bangala, né avec le gros Bangala, en 1980, tu vois, il y en a pas. Vous voyez ici. Toi, tu sais que le monsieur, tu as fait papa, mon papa, mon esprit, mon papa, mon papa, tu vas veiller, on voit mon esprit, hein. Attendez, même mon extrait où il y a mon nom Tegba, vous avez encore le nom du père qui est là-bas. Il dit que vous êtes, il vous a tout montré, parce que vous n'êtes pas la vérité, vous faites mal. Bah, je te dis. Tu me disais quoi? Vous étiez là-bas, menteuse. Je t'ai attrapé. Une menteuse comme ça. Elle voulait me quoi? Là, elle voulait me pavloter. Hein? Quand Jean, elle est française. Elle voulait me pavloter. C'est pas que moi, elle est yeux. Moi, elle est yeux de Colombo. J'ai pris les documents, je les ai bien analysés. Donc, vous voyez, voilà, là, c'est bien visible. Attends, je vais mettre la main comme ça pour ne pas que la lumière parte. Vous voyez, c'est bien visible ici. Donc, la place du père est où ici? Quand vous voyez sur un instant de naissance, il n'y a pas la place de père. C'est que c'est bâtard. C'est que papa a fui. Ça peut être même grossesse de partout. Pourquoi pas? Parce que souvent, hein, quand il y a une maman j'entra pute, oui, parce que la vraie pute c'est elle, c'est pas ma mère. Ma mère vous dit qu'elle est pute, elle est j'entra là. Voilà la vraie j'entra. Parce que un enfant, souvent, hein, ton premier enfant un homme, deuxième enfant, puis c'est ton troisième enfant qui n'a pas père. Père que c'est enfant de partout. Oui. Et le gars dit, ah ma chérie, on te connaît ici, à Boaké où tu es là. Ici, à Coco de Tébaté, on te connaît. Tu es une go, tu mousses avec tout le monde, tu as m'appelé tout le quartier. Moi, je ne peux pas prendre gros ça pour aller de l'avant. Aïe. Il y a ça aussi qui est là. Ah, le gars dit, non, hein. Tiens, il faut trouver le père de mon enfant, c'est pas moi. Donc, du coup, père, même s'ils ont mis un connu, c'est que c'est bon. Donc, il n'y a pas la place de père. Et on saute. C'est le nom du maire de Coco Dico, mais. Donc, on dit dressé le 12 janvier 1987 à 11h par nous à Seine, à soi, député, maire de Coco Dico, de Coco Dico officiel national. Après que la déclaration ait été avertie des sanctions des fausses déclarations, lecture à lire. Oh, ce jeune date de naissance qui est sans père. Quand on dit qu'elle est bâtarde là, c'est pas un juge, c'est une vérité. Voilà la preuve qu'elle a. Vous allez dire, Covid, ta maman fait la femme bâtarde. Ta maman fait. Mais montrez où ma maman fait la femme bâtarde. On voit. Envoyez mon esprit. Puis on va voir s'il n'y a pas père dessus. On voit. Hein? Envoyez, on voit. Papa peut parler. Hein? C'est ça, elle dit qu'elle vous allumez. Parce que quand vous voulez parler de ma mère, mettez. Femme ta gueule là-bas, tu me dis quand même. Voilà. Quand vous dites que ma mère est pute, que je suis une patate là, montrez. Vous n'avez pas de preuves. Vous allez écrire. Mais moi, je viens, puis je framponne. Je fais live. Et puis je monte pas. Et puis je conjugue là-dessus. Propre. Ça chauffe. Oui. À tes bains. À tes bains, même sang. Voilà ce qu'elle a. Quand Sylvia dit que c'est bâtard, c'est bâtard. Voilà pourquoi on appelle Keïta. Et comme c'est le nom. Bah, je te dis. Tu me dis quoi, mais mamie, faut te taire là-bas.
c'est le nom de Keïta, maman qui est là-bas. Voilà pourquoi elle s'appelle Keïta Emmanuel Louise Adolphine. Quand je vous dis que c'est parce que... C'est pour ça que depuis sa naissance jusqu'à ses 15 ans, 16 ans, on l'appelait Emmanuel Keïta au lycée. Vous avez compris maintenant. Parce que quand vous regardez l'acte de mariage de Monsieur Kouadjo avec sa mère, elle était déjà grande. Elle mougoussait même déjà. Il restait 4 ans et puis elle allait mettre sa fille là au monde. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs. Vous comprenez. Tu fermes ta bouche. Vous comprenez. Donc c'est pour ça que Abidjan, on la connaît sous le nom de Keïta, Keïta, Keïta. Parce que elle est née Keïta de par sa mère. Ceux qui racontent les maîtres vous disent non, c'est ci, c'est ça. Vous parlez trop sans preuve. Moi, j'ai les vraies preuves. Et puis, prenez à les conjuguer ça. Vous parlez, vous dites non, c'est-à-dire que oui. Non, 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 non. C'est pas ça, c'est pas c'est-à-dire que. C'est parce qu'il n'y avait pas de père. C'est le nom de sa mère. Sinon, si c'était pas là, entre monsieur et madame, et puis le, elle dit que non, je ne te donne pas le nom de mon enfant là. Après, ils allaient se réconcilier tôt ou tard. Ils allaient porter le nom. Vous comprenez? Donc, elle est née Keïta parce que c'est le nom de sa mère. Donc, c'est une bâtarde. Micheline Keïta est une pute qui a conçu des bâtardes. Troisième enfant bâtard, quatrième enfant bâtard du nom de Stéphanie Keïta. Oui, parce que tous ces deux filles qui ont porté son nom Keïta, Stéphanie, je ne vais pas l'exposer parce que je n'ai pas affaire à elle, mais j'ai dit qu'elle est Keïta, elle est née Keïta. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc là, on ne discute pas beaucoup dessus. Voilà, ne me fais pas transpirer. Donc voilà l'extrait. Attendez, j'arrive. Voilà. Donc voilà le premier extrait où, quand elle était en classe, et puis Aya Robert dit, non, j'aime pas Kouadjo, qu'il va mettre Keïta là. Voilà ce qu'il a, parce qu'elle est une bâtarde. Et quand vous l'entendez toujours quand elle parle, ma mère nous a toujours élevés seuls. Ses propres mots le disent. C'est pas moi qui le dis. Ma mère nous a toujours élevés seuls. J'arrive. Restez connectés. Je vais chercher quelque chose. On va aller soulever le corps de M. Kouadjo. Là, on va faire autopsie. Son père n'a jamais été M. Keïta parce que c'est son père adoptif. Et ça, elle me l'a dit aussi. Et c'est ça qui est la vérité. Ça, elle-même, elle me l'a dit. J'ai été adoptée. Voilà pourquoi ici, elle dit dans cette interview, ma mère, on dit quelles sont les trois femmes qui vous inspirent de par votre, leur force et leur caractère. Ma mère en premier, car elle m'a quasiment élevée toute seule. Vous comprenez? Quand on a pour idole sa mère, et qu'on veut tout faire comme sa mère, on la suit dans tout. On fait des enfants bâtards, on devient anarcheuse, on ment, on s'invente une vie de riche, on escroque nos hommes. Je vais vous parler de la vie de cette femme, de ce poule-là ce soir, et vous allez comprendre que tout se reproduit. Quand on dit « je suis l'idole, ma mère est mon idole », tout se reproduit. Chien n'accouche pas chat, chat ne fait pas chien. Ce soir, je vais vous montrer cela. Elle dit « ma mère en premier cas ». Elle m'a quasiment élevée toute seule. Elle a élevé toute seule, sans père. Toujours, elle le dit. Oui, ma mère nous a mis à l'école. On n'a jamais entendu non. Mon père a fait si. Moi, vous, quand vous m'entendez toujours. Est-ce qu'on dit à un enfant qu'elle n'a pas mère? On connaît la mère de l'enfant déjà. Ça, c'est pas un truc qu'on doit prouver. Voilà. Mais c'est le père qu'on doit prouver. Vous me voyez toujours. Je viens de Kira. Je vais te tirer là, je vais te tirer là, mon papa. Toujours, je suis la fille de Nancy Paul parce que j'ai un père et je suis fière de dire que j'ai un père. Je suis la fille de Nancy Paul, mon papa te tirer là, je suis la fille de mes autres parce qu'il existe, parce qu'il a fait, parce que mon père de son vivant, il m'a marqué, il m'a doloté, il m'a chéri. Ma mère est vie. Oui. Donc je lui rends hommage à tout instant de ma vie parce qu'il m'a quitté très tôt, brutalement. Mais il n'y a pas père. Il n'y a pas père. C'est Batalo. Donc, vous voyez, c'est ça qui est ça. Donc, quand Micheline croisait M. Kouadjo et puis il se maria, oh, joli M. Kouadjo, toi aussi, tu allais te mettre dans le problème comme ça. Tu vois, c'est des femmes. Comment tu peux aller prendre pou. M. Kouadjo, bon, on va passer sur toi, M. Kouadjo. Tu es joli. Donc, quand M. Kouadjo et Micheline
Keïta se sont mariés en 2002. Enfin, le troisième enfant, Bata. Et le quatrième, qui est Bata. Je ne prononce pas trop le quatrième, mais il faut que je le dise. Mais je vais glisser dessus. Le quatrième, qui est Bata, il adopta les deux filles. C'est pour ça que vous allez voir que le Bata s'appelle Kwadjo Adolphine Louise. Voilà. Et voilà l'extrait. Le deuxième extrait qui a été fait. Voilà ça. Et voilà. Vous voyez maintenant le même extrait avec le même numéro, avec la même date. Quand on l'a adopté après 2002, voilà ce qui est marqué maintenant désormais. Kwadjo Emmanuel de Louise Adolphine. Ce nom a été caché précieusement et les gens ne le connaissaient pas parce que on l'a connu que Keïta. Voilà. Donc voilà les deux extraits ici que j'ai fait. Vous voyez, Kwadjo, Keïta, ne Keïta, adopté Kwadjo. Voilà. Ne Keïta, adopté Kwadjo. Micheline, pourquoi tu fais vivre ce calvaire à tes enfants? On peut être Djandra toutou comme ça et puis se balader de nez en nez. On peut faire un premier enfant de père différent, deuxième enfant de père différent, troisième enfant de père différent, mais au quatrième, tu commences à réfléchir et tu dis que c'est bon. Parce que déjà, même avec trois enfants, même avec deux enfants, tu as fait enfant. Tu réfléchis. Tu dis non, le dernier qui arrive, il faut que je me gaffe. Tu t'es marié avec M. Kwadjo. Il n'y a que M. Kwadjo seul qui t'a pas enceinté parce qu'il n'a pas fait enfant. Et il est décédé. Avant qu'il ne décède, vous êtes séparés. C'est-à-dire, quand elle croisait M. Kwadjo, elle avait déjà 5 enfants. Vous comprenez? Comme celle-là, le pou là, le pou que voici ici, le pou que vous voyez ici, quand elle croisait M. Kwadjo, elle avait 5 enfants qui sont Hervé, Muriel, la bâtarde, la troisième bâtarde, et puis Stéphanie avec Cynthia Boko. Donc, elle avait 5 enfants déjà, de 4 pères, elle avait 5 enfants, 3 pères connus, 2 enfants bâtards. C'est-à-dire, elle a mougou 5 fois différemment, à 5 personnes différemment. Et quand on parle, vous voyez déjà le schéma. Vous voyez le schéma déjà. Premier enfant, père différent. Deuxième enfant, père différent. Troisième enfant, comme la troisième bâtarde, il est bâtard aussi. C'est-à-dire, la bâtarde, le troisième enfant fait un troisième enfant qui est bâtard. Et quatrième enfant, il a son père. Et la bâtarde en question, elle a mis des implants pour ne pas accoucher. Parce qu'elle, quand une fois qu'elle naît, la touche, elle accouche en même temps. On peut copier sa mère juste en idolé comme cela. Comme maman fait troisième enfant bâtard, il faut que aussi, il fasse troisième enfant aussi bâtard aussi. Tiens, on peut faire ça. Ton enfant Malik, là, n'a pas de père. C'est moi qui dis ça. Ça choque. Il n'a pas de père. Il prend le nom de Koulibaly parce que tu étais marié à Koulibaly jusqu'à présent. Et ici en France, quand tu es marié à quelqu'un, tu automatiquement tu donnes le nom de ton mari à ton enfant. Sinon, Malik n'est pas l'enfant du truc. Je vais laisser cet enfant là ce soir. Mais troisième enfant de sa mère a fait troisième enfant bâtard. Premier enfant passe son papa ailleurs. Deuxième enfant son papa ailleurs. Troisième enfant son papa, on ne le connaît pas. Quatrième enfant son papa ailleurs. On peut copier sa maman comme cela. On peut copier sa maman comme cela. Hein? Donc, cette fille que vous voyez, Cynthia, tu es malade, non? C'est pas de ma faute. Hein? Au lieu que ta maman te soigne, ils font des bêtises sur Internet. Cynthia que vous voyez, je vais vous la montrer tout à l'heure. Je vous la montre pour que vous puissiez comprendre combien de fois cette fille est méchante aussi. Voilà. C'est le cinquième enfant. Vous voyez que c'est là. Elle ne peut pas être née en 2004, ni 2006, ni 2007. Vous voyez, celle-là, elle a un grand enfant même qui a 15 ans. Même. Celle que vous voyez là. Ça, c'est le cinquième enfant qu'elle est. Celle que vous voyez là, c'est le cinquième enfant. Hein. C'est pas truc. Ça y est, c'est avant-dernier qu'elle a. C'est quand elle a. Attends.
Je vais te bloquer bien propre et puis tu vas aller t'asseoir tranquille. Tu vas plus voir mes directs. C'est fini. Voilà. Imbécile là. Quand ils insultent mon enfant, il les rate. N'importe quoi. Donc, c'est celle-là. C'est le cinquième enfant. C'est la petite soeur de la troisième bâtarde qui nous embête sur la toile là. C'est sa petite soeur. C'est-à-dire, entre elle et puis celle-là, il y a une qui est au milieu. Voilà. Celle-là. C'est le cinquième enfant et avant-dernier qu'elle a. Vous voyez comment elle est formée déjà. Elle est déjà. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas née en l'an 2000. Elle est née il y a longtemps. Il y a longtemps qu'elle est née. Donc, au moment où elle croisait M. Kouadjo Jacob, celle-là était déjà née. Elle a déjà 5 enfants lorsqu'elle se mariait avec M. Pré-Kouadjo. Lorsqu'elle se mariait. Un mariage qui fut d'une courte durée. Le mariage n'a même pas duré. Et celle-là que vous voyez, elle a fait prison en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire elle a dormi au commissariat. Celle-là, Cynthia Broco que vous voyez, elle a dormi au commissariat. Et vous savez qui l'a mis en prison? C'est sa grande sœur qui est ici en France. C'est Emmanuel Keïta qui l'a envoyé en prison en Côte d'Ivoire pour une histoire d'argent. Elle a mis sa propre sœur au commissariat. Elle a fait au moins des jours au violent, dormi dans la prison de commissariat de Côte d'Ivoire. Sous prétexte que sa sœur lui a pris de l'argent. Donc, pour une sœur avec qui tu as têté le même sein, pour des miettes qu'elle a pris, si tu l'envoies au commissariat, c'est pas quelqu'un que tu as raté. Cette fille que vous voyez est très malade en ce moment. Cynthia, comme je te l'ai dit, tu vas beaucoup m'excuser parce que je sais que tu es très malade. Oui, oui, oui. Tu es très, très, très malade. Tu es beaucoup malade, même dangereusement malade. Mais tu vas m'excuser ce soir parce que je t'ai dit tout à l'heure, quand je commençais, j'ai dit tu vas prendre une balle perdue. Désolé si je t'affiche ce soir. Oui, oui, oui. Désolé. Si je t'affiche aujourd'hui ce soir, désolé. De tout mon cœur, de tout mon âme, je te présente mes excuses. Mais on ne touche pas ma mère. Oui, on ne touche pas à ma mère. Donc, cette fille que vous voyez là, la fille n'a pas une bonne santé. Et elle est beaucoup gentille. Mais sa soeur, sa grande soeur Emmanuel Keïta, l'a envoyée au commissariat lorsqu'elle était à Kafouba Koulibaly. Pour de l'argent qu'elle a volé à Kafou. Et sa soeur a pris un peu d'argent. Ça n'arrive même pas à 100 000. Hein. Elle a mis sa soeur en prison pour dire oui, monsieur le policier, enfermez-la parce qu'elle m'a volé de l'argent. Elle a augmenté la somme là-bas. C'est sa maman et des gens qui ont demandé pardon. Et ils étaient obligés de payer l'argent pour que cette fille sorte du commissariat. Vous comprenez? Sa famille, les gens qui ont demandé pardon, ils ont payé l'argent, ils ont remboursé l'argent de Emmanuel Keïta. Et puis sa propre soeur que voici est sortie de la prison. C'est quoi qui fait jusqu'on envoie sa propre soeur en prison? C'est à cause de quoi jusqu'en, à cause de combien on envoie sa propre soeur en prison? La famille est sacrée. Et quand on finit pour dire, on vient sur les réseaux, oh, et j'ai ma famille qui me soutient. Tes soeurs ne sont pas en accord avec toi parce que tu es seule. Voilà pourquoi tu te promènes sur Internet pour chercher des soeurs, des grandes soeurs. Parce que dans ta famille, tu as fait beaucoup de mal. Stéphanie qui a payé ton billet d'avion en 2019 pour que tu puisses aller à Abidjan. C'est Stéphanie qui a payé ton billet d'avion, ta petite soeur Stéphanie, la quatrième. Celle avec qui tu partages le même nom Kouadjo. Mais comment tu l'as récompensée après? Tu l'as bien lavé. Tu n'as même pas eu pitié de ta soeur qui est malade. Oui, parce que sa maladie, elle attend depuis fort longtemps. Tu n'as pas eu pitié d'elle. Mais tu l'as envoyé au commissariat, tu l'as envoyé chez nous encore du voilà. Quand tu vas mettre ton main au violon, et au violon là-bas, c'est pas propre. Hein. C'est pas propre d'elle. Mais tu as envoyé ta soeur là-bas pour qu'elle puisse sortir. On t'a demandé assez de pardon et on t'a remboursé de l'argent. Donc, qui suis-je moi pour ne pas que tu m'envoies? Si tu pourrais même me mettre en feu, tu allais le faire. Tu comprends? Si moi j'avais su que tout ça t'avais fait avant là, je n'allais même pas m'approcher de toi. Parce que mine de rien, même si mon frère il m'a abusé et puis mon petit frère me vole mes 1 million, je serais énervé. Mais je ne vais jamais l'envoyer au commissariat. Ça y est, je peux ne plus lui avoir de l'argent. Mais au bout de 1 an, 2 ans, ma colère peut baisser. Mais l'envoyer jusqu'au commissariat, l'emprisonner, non, je ne peux pas le faire.
Je ne peux pas le faire. Donc, vous comprenez? Donc, tout ce problème qu'on a aujourd'hui sur la toile, c'est ce coup, c'est ce pour au con puant, au con zébré, au con confondu avec son ventre et ses bras, au pouce sans pied. Oui, parce qu'elle n'a pas de pied. Quand elle marche avec son ventre. Elle a porté haut ici. C'est un haut, hein. C'est un haut. C'est pas une robe qu'elle a portée là. C'est un haut. Tellement qu'elle est laide, je n'aime. C'est à cause d'elle aujourd'hui, on a laissé tous ses points en question. Tu te vois pas? Grande anaqueuse de son état. Grande anaqueuse et voleuse de son état, là. Voici qui est là. Cette femme que vous voyez, quand elle a fini sa relation avec M. Kwadjo, qui est solvé à un divorce, elle a croisé un autre monsieur qu'on appelle Baudiel, si je ne me trompe pas. Donc, M. Baudiel en question avait une boîte de nuit en zone 4 là-bas. Et il lui a donné de gérer comme sa copine. Comme c'est sa copine, il lui a dit, gère mon coin. Elle avait tous les papiers du bar en question. Ce pou qui porte le haut, comme elle dit que c'est robe, allait falsifier tous les documents. Elle sait comment falsifier les documents. Elle avait falsifié les documents du bar. Elle a mis le bar en son nom. Elle a mis la propriété même du truc en son nom elle-même. Le monsieur a pleuré comme ça, comme du n'importe quoi. C'est-à-dire, elle a pris un bien de monsieur. Tu sors avec moi. Tu es ma copine. Et puis, par pitié, il faut gérer. Voilà mon truc. Et là, il faut gérer. Il faut veiller dessus. C'est dans ça. Elle prend tous les documents. Elle sent tout falsifié. Parce qu'elle a tout dans sa main. Elle sent tout falsifié. Et puis, ça lui revient. Oui. La femme, vous la voyez, elle va en justice. Hein? Si vous voyez que sa fille même qu'on dit, tiens, bague, donne-moi ma bague. Et te dit, on va aller en justice pour la bague, ça va pour les rien. Ça vient de là. Cette femme a traîné dans les tribunaux. Elle a eu même fait 2 semaines à la maca. Cette femme que vous voyez qui est assise là, elle a fait la prison. Elle a fait la prison. Il y a des documents de justice ici. Où elle a voulu arnaquer des gens. Ils sont en justice. Le monsieur a laissé l'affaire. Je te dis. Où est là-bas? Le monsieur a laissé l'affaire. Voilà le document de justice. Si vous tapez son nom là. Voilà. Elle allait en justice avec les gens. Avec l'immeuble. Ça y est, la maison de son gars là. Elle a tout mis à son nom. Et puis elle a donné propriétaire. La femme là, elle est dangereuse. Voilà le document de justice. Voilà. République de Côte d'Ivoire. Coup d'appel d'Abidjan, chambre. Ça y est, l'affaire a commencé en 2000 et quelques, c'est fini en 2018. Voilà. Si vous partez sur Internet, vous allez voir. Voilà. C'est-à-dire, le monsieur, comme elle avait des relations, comme quand elle sortait, c'est pas en zone 4, oui, en Macorie, voilà, oui, c'est ça. C'est le diable, merci. C'était le pimp avant, non? Sa boîte de nuit, là. Moi, j'appelle Macorie tout ça la zone 4, mon frère. Merci de me. Ah, tu connais l'histoire. Ah, il y a dit, tout le monde connaît l'histoire en question. Tout le monde connaît cette histoire-là, Abidjan, là-bas. Qui ne connaît pas l'histoire-ci? L'histoire de la naqueuse. C'est comme ça, ils ont fait un accord. Et puis, dans l'accord en question, elle n'a pas respecté. Elle n'a pas respecté l'accord-là. Hein? Maintenant, parce qu'elle elle fait du chantage au monsieur, comme elle a des relations à Abidjan avant, là. C'était le PDC, il trouve les gens doivent pouvoir. Donc, du coup, elle a les relations, le monsieur a eu peur. Mais après, il a pris son faux cœur, ils sont allés en justice, et puis il a gagné. C'est comme ça aujourd'hui, le BAO, tout ce qu'elle a pris comme nom là-bas, tout est revenu à la personne. Elle est sortie zéro. Une vraie anaqueuse et voleuse, la voici qu'elle a. Al-Mustapha, son femme. Al-Mustapha, son femme, c'est elle qu'elle a. Qui la connaît pas, Abidjan? Quand je vois venir sa mère, ma mère a le thune. Sa mère a zéro thune. Il paraît même qu'actuellement, le nom Keïta, je vous ai montré le nom du monsieur, le vieux Keïta. Ce monsieur-là, Keïta Georges, le joli monsieur qui est là, c'est lui le français. Apparemment, il se dit, bah, je n'ai pas encore la confirmation. Le jour que j'ai la confirmation, je vais venir déposer ici, Roha. Apparemment, il se dit qu'elle a mis main sur le bien de ce monsieur en question. Et comme ce monsieur, c'est son oncle, oui. Parce que ce monsieur et sa mère viennent de la même famille, Baba Keïta.
Donc, on dit apparemment ce monsieur-là, c'est son oncle. Et comme c'est lui qui l'a élevé, elle connaissait tous les biens du monsieur, lui, ses enfants. Je vais vous montrer sa femme. Il a fait un mariage ici, non? Sur ce document-là. Attendez. Sur ce document, on voit qu'il a marié une femme blanche. Je viens. Où le document? Yeah! Le pouo! Voilà. Sur ce document, on voit qu'il a marié une femme française. Vous voyez, c'est le document du vieux Keïta qui est là. Georges-Louis Keïta. Il est français. Voilà ça. Actualité d'origine du Soudan français. Décret du 24 février 1953. C'est par ce décret-là que monsieur Georges-Louis Keïta, il est français. Vous voyez, c'est par ce décret-là. Il a épousé madame Suzanne Dacour, qui est née en 1940 à... C'est une française. À Chantant-le-Port. Et après, ils ont divorcé. Les preuves ne sont pas envoyées par des gens. Je vais vous montrer où j'ai toutes ces preuves en question. La vidéo est là. J'ai dit, restez tranquille avec moi. La vidéo est là. Je vais vous montrer toutes les captures que j'ai faites là. Je vais vous montrer où. Voilà la vidéo qui est là. C'est pas sa part que vous entendez. C'est pas sa part que vous entendez. Je te dis. C'est elle qui parle là. C'est elle qui m'a envoyé. Et c'est encore là. Je laisse le WhatsApp là-bas. Où je joue avec qui? Que les trucs ont été envoyés par là. C'est elle qui a envoyé. C'est elle qui m'a envoyé. C'est pas les gens qui ont envoyé. C'est comme je voulais montrer là. Attendez, je viens. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Restez là. Vous allez voir la deuxième femme de me, la femme quand il a divorcé la française et puis il s'est remarié là. Vous allez voir la femme qui a été Georges Keïta. C'est elle-même qui m'a envoyé. C'est elle-même. Madame Micheline, c'est ta fille même qui a envoyé les documents. Elle se promet à elle tous les documents. Elle dit on a qu'à faire ce qu'on veut, on a qu'à mettre sur internet. C'est ta femme, c'est ta... C'est... Georges-Louis Keïta. C'est ta fille mais, qui m'a envoyé. Est-ce que moi... Ta fille m'a dit que tu es une grande voleuse. Elle dit, maman, c'est une voleuse, c'est une bandite. Oh... C'est l'autre côté là, sur mon autre téléphone, c'est là-bas qu'on voit bien les informations. Voilà, on va consulter. L'ennemi, oh. Voilà. Oh, c'est pas ici. Aïe. Ou le nom de sa femme, c'est Adiarato quelque chose. C'est sur ce téléphone-là, il y a les trucs bien, bien. Quand je prends mon téléphone-là, tout sort bien comme cela. Mais Samsung, ça, ils ont mal à la tête. Il est en retard. Il n'est pas homologué. L.A.G. George. Fais pas. Voilà. Voilà, je vais vous montrer son nécrologie. Je vais vous montrer deux nécrologies. C'est Georges, hein? Le voilà. Keïta, hommage à El Hadj Georges Louis. Il est mort, il est décédé le 1er mai 2010. Voilà. Donc, on fait paix par... La grande famille de feu Baba Keïta à Boaké, Abidjan, Mali et France. Vous voyez? Voilà. La grande famille de feu Fadjo Koulibaly et Konaté à Grand Bassam, Abidjan, Mali. Veuve, ça c'est la femme de Georges. On précise, hein? Veuve, Georges Keïta, né Koulibaly. Ned Koulibaly Diaratou.
Voilà la femme de monsieur Akela. C'est-à-dire qu'il a divorcé avec madame Suzanne Dakout. C'est Koulibaly Diarratou qui était sa femme. Enfant est allié à Grand Bassam, Abidjan et France. C'est-à-dire qu'il a des enfants en France. Madame Hélène Suza Dakour est enfant à Abidjan et Paris. C'est-à-dire cette femme en question-là, elle a enfant avec Georges. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà la femme de monsieur Georges qui s'appelle Koulibaly Diarratou. On va y aller. Quand ta maman, elle avait une et puis tu t'en vas prendre un avocat. Je l'ai dit sonné. Voilà encore. Dame Lucie Frédéric Keïta. Famille, Madame Keïta Atobra Micheline. Voilà. La famille Baba Keïta. Vous voyez, ça revient encore. La famille Baba Keïta. Voilà, Keïta. Lucie Frédéric là. Là, voilà. Il vient. Lucie Frédéric Keïta. Baba encore revient ici. Baba Keïta revient. Les familles Baba Keïta. Ben Soumaro, c'était son gars. C'était son mari. Pas son gars, mais son mari. Donc vous voyez. Donc il y a problème. On dit qu'il y a problème. Sur maison. Je dis, on dit que. Pour l'instant, vous me connaissez. Quand je comprends. Quand il y a confirmation, je viens vous dire les mots. Oh, hacker. C'est confirmé. Mais elle-même là. Elle-même, Kwadjo, elle a dit que sa maman est dans les problèmes à Abidjan. Que la maison où sa maman est là, on veut l'enlever dans la maison en question. Qu'il y a problème, que l'affaire en justice. Elle-même, Kwadjo, elle a dit ça. Mm-hmm. Et c'est comme ça, elle a demandé 1000 euros. Elle a demandé de l'argent, 1000 euros à Peter, à 4h, à 2h du matin, 3h du matin, 2h du matin, pour que Peter puisse envoyer de l'argent à sa maman qui est dans les problèmes à Abidjan, 1000 euros. On peut envoyer 1000 euros à une femme qui a de l'argent. On peut mendier 1000 euros comme cela. C'est comme ça que Peter alla au secours de Madame Micheline Keïta. Ici. Vous comprenez? Donc, Micheline Keïta, on dit que ton affaire là, ton affaire de. Comment on appelle ça? De français là, il y a problème dessus. Voilà, c'est ce que le Congo ça dit. Voilà. C'est ce que le Congo ça dit. Qu'il y a un problème dessus. Voilà le compte. Né le 6 janvier 1980. Ce compte en question, sa mère est amie avec elle dessus. Ce compte où elle a mis qu'elle est née le 6 janvier 1980, sa mère a mis dessus. Bon, souvent sur Internet, là, moi même si mon compte là-bas, là, j'ai pas mis ma vraie date de naissance. Hein. J'ai pas mis ma vraie date. Peut-être qu'elle a mis ça comme cela. Voilà. Donc là, je peux pas trop confirmer que c'est sa date. Elle a beaucoup de comptes Facebook. Beaucoup. Donc tu vois, Micheline, si aujourd'hui, où est le pouls? Parce que j'ai monté ta photo, puis j'ai bien te laver. Micheline, c'est parce que tu as manqué l'éducation des enfants. Oui, oui, oui. Tu as manqué l'éducation des enfants. C'est parce que tu as été une mauvaise mère que aujourd'hui, parmi tes enfants, d'autres ont pris ton comportement. D'autres sont comme toi. Il y en a qui ont vécu avec leur père, sont à l'aise. Tu as une mauvaise gangrène pour la nation ivoirienne. Tu es une méchante femme voleuse. Une femme, quand elle est enfant et puis elle vole, on peut comprendre. Mais quand tu deviens vieille, avec des poils blancs en bas de toi, et que tu voles, c'est honteux. C'est honteux. Quand on met ton image, et puis on t'appelle, il fait la Al Mustapha, son femme. Tu n'as pas honte. Avec un garçon, c'est bien. Mm-hmm. Quand on dit garçon est voleur, et garçon il a naqué, c'est bon. Mais femme, une femme qu'on dit, elle est voleuse. C'est dangereux, c'est honteux. Ton visage froissant, on dirait l'air de con là. Je ne suis pas votre camarade. Ma mère n'est pas votre camarade. Quand tu répondrais qu'elle est froissée, on dirait en bas de Jessica là. Tu as vu pour maman, c'est comme ça. Pour maman, n'est pas comme cela. Le visage de maman n'est pas.
enflé comme ça. Le vieux de ma mère, quand vous insultez, que ta fille et son amie sanglante insulte là, il n'est pas froissé comme cela. Regarde comme tu es vilaine et laide. Regarde comment tu es vilaine et laide. Regarde ton corps, quand on parle de ton parcours, regarde comment tu y es. Une patate comme toi, une fille sans père comme toi, qui a mis des enfants patates au monde, et ces enfants-là ont mis des patates au monde, peut dire quoi à qui? Peut dire quoi à qui? Votre patadiste va de génération en génération, ça chauffe pas? Ma grand-mère a fait 10 enfants avec le même homme. Oui, 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 ça chauffe pas. Ma grand-mère était une femme battante. Ça c'est mon papa, elle était dans le village où elle était mariée. Elle était respectée et vénérée comme une reine. Elle a fait 10 enfants propres. Chez nous, les guerriers, quand tu fais 10 enfants avec une femme, la femme s'en va dans son village et puis la nuit, tu t'en la voler. Malgré que tu l'as dotée là, la nuit, tu t'en la voler et puis vous partez au village. C'est la transition qui le demande. Mère bâtarde, enfant bâtarde, petit enfant bâtard. Toujours au troisième, à la troisième personne. Mère anaqueuse et voleuse. Enfant anaqueuse et voleuse. Mère escroc. Enfant escroc. C'est avec vous qu'on voit ça. C'est vous là qui gâtez le nom de Keïta. Au Mali, quand on parle de Keïta, c'est un grand nom. Les Keïta sont nobles. Mais Micheline, à cause de toi, le nom Keïta est traîné dans la boue. À cause de toi, le nom Keïta est lié au vol. Les Keïta sont des hommes nobles. Tu me fais de la peine où tu es en ce moment. Parce que quand tu vas voir mon live en question, tu vas pleurer ce soir. Oui, oui, comme tu as toujours créé. Quand tu vas voir mon live, tu vas pleurer ce soir parce que les conséquences, tu vas les prendre lourdement et difficilement ce soir. Une pute comme toi, de ses 15 ans jusqu'à 63 ans, qui se putana, qui pesa, qui changea de spermatozoïde, de 1959 jusqu'en à l'an 2000, tu parcourais les garçons. Tu allais de garçon en garçon. Tu n'avais pas assailli ton cerveau pour t'asseoir pour dire, ah, je prends de l'âge, je suis vieille, il faut que je fonde une famille, il faut que je sois bien assise. Non. Même à 59 ans, tu vas pondre encore un dernier enfant encore. Pondeuse internationale que tu sois. Il faut laver ton con. Ça y est, tu as passé ton temps, tu es une femme qui n'a pas appris à laver son con. Tu as passé ton temps à aller verser, à aller laper les spermatozoïdes, à aller laper et avaler les spermatozoïdes pendant ce temps. Tu n'as même pas appris à tes enfants à cuisiner. Tu n'as pas appris à ta fille à cuisiner. Tu n'as pas appris à ta fille à tenir un foyer. Ce que tu as appris à ta fille en question, c'est le vol, le mensonge, faire des enfants bâtards. Voilà tout ce qu'elle a retenu de toi. Quand elle dit ma mère est un idole pour moi, voilà ce qu'elle a retenu de toi. Oui, le mensonge, l'arnaque, le vol, l'escroquerie. Oui, à faire des enfants bâtards, à aller de garçon en garçon. Voilà tout ce qu'elle a pris de toi. Le jour que vous allez parler encore de ma mère, apprenez à laver vos caleçons d'abord avant de parler de ma mère. Parce qu'elle m'a appris à laver mon caleçon. Ma mère m'a appris à me battre. Ma mère m'a appris à me chercher dignement. Ma mère m'a appris à cuisiner. J'ai mes petites soeurs jumelles qui ont 13 ans en ce moment. Mais si elles te font la cuisine, tu vas penser que c'est une femme de 45 ans qui a fait la cuisine. Elles ont 13 ans, mais elles savent cuisiner proprement dit comme des femmes. Ma mère nous a appris à tenir un foyer. Quand on ment parmi ma mère et mon père, c'est ma mère qui me frappait plus. Parce que quand je fais les bêtises, elle ne tolérait pas mes bêtises. Elle ne couvrait pas mes bêtises. Non. Quand tu aimes un enfant, tu le dis normalement. Elle m'a mis sur le chemin comme ça de la vérité. Oui, maintenant mon gros cœur là, il est pris ça chez elle. Et ça là, c'est né avec moi. Mais toi, Micheline, qu'est-ce que tu as appris à tes enfants? Surtout ton enfant en question. Quand tu as pris ce micro pour raconter ta merde, quand elle est un enfant béni, on peut être béni et puis sauter avec un footballeur et puis ne pas déposer une brique même, ainsi qu'au bois des gens. Tu veux raconter des mensonges, couvrir ces mensonges.
Est-ce que tu fais bien ta toilette, Micheline Keita? Est-ce que tu fais bien ta toilette? Hein? Est-ce que tu fais bien ta toilette, Micheline Keita? Hein? Est-ce que tu fais... Parce que ton coin est confondu à ton... Viens, ton coin est confondu à ton ventre. Tes seins sont confondus à ton ventre. Tes joues arrivent sur ton ventre. Tes bras sont fondent dans ton ventre. Je ne sais même pas si tu fais ta toilette, au fait. Ton coin doit être pourri. Parce que marier un homme avec les babadis, malgré le babadi, et puis tu fais partie, franchement dit, hein. De la même manière, le mari de ta fille, les relations de ta fille, sont comme des relations de formation, de caissière. C'est comme ça, toi aussi, tes relations ont été. Toutes tes relations n'ont jamais duré. Voilà pourquoi tu vas d'homme en homme jusqu'à faire deux batades. Ne comparez plus ce poux. Ce poux puant, ma mère. Ok? Ne comparez plus. Ne dis pas. Non! Ma mère est lancée. Il y a bonne odeur en bas d'elle. Yeah! Femme guérée. Si, il y a femme. En fait, toutes disent des femmes guérées, mais elles savent laver les nids. Et puis elles savent mon goût propre. Elles savent préparer. Elles savent prendre garçon. On n'a qu'à tout dire. Hein? On a qu'à dire qu'elles aiment pas là. Elles aiment, c'est mieux parce que. On vient du libéral. Nos aïeux viennent du libéral. Moi-même, je viens du. J'ai un côté peu. Dans la famille de ma maman, les origines de ma maman, ça tire le côté peu. C'est pour ça que vous voyez que maman a des traits fines. Elles ne sont pas grosses dans leur famille. Dans leur famille, ce n'est pas grosses. Elles sont minces, elles sont élancées, elles sont fines. Parce que leur grand-mère, est peule, en fait. Voilà. Ce ventre-là, on ne va pas te donner. Demain, je vais en Belgique. Je vais t'expédier une gaine. Je connais ton adresse. Le lot de ta maison, je connais. Je vais t'expédier une gaine par Chronopost. Je mets ton nom tout. Je mets le numéro qu'il faut. Puis on t'appelle là-bas. Tu vas prendre une gaine comme il se doit. Ton ventre qu'elle a, on va soigner ça. Et puis tes seins, on va remonter ça. Propre déposé. Vilaine et laide femme. Ça y est, tu es vilaine et puis tu es laide. Oui. Ça y est, tu es vilaine et puis tu es laide. Il est déjà 22h, je vais partir, j'ai pris ma valise. Il a fait ma valise, hein. Il reste seulement à la traîner, puis il m'en vais. Oui. Pensez que la mère sans âme peut faire quoi? Vous avez créé la mère sans âme, vous pouvez... Emmanuel Keïta et puis son âme sans âme ne peut rien me faire. Emmanuel Keïta et puis son âme sans âme ne peut rien me faire. Ça chauffe pas. Vous allumez, j'allume propre et puis on s'en va. Je suis solo. C'est vous qui avez fait boing. Demain qu'il y a allumé là, vous êtes parti créer encore à mes sangs encore. Ça chauffe point. Ça chauffe pas. Tu as la chance que mes abonnés sont en train de me dire pardon. Parce qu'ils devaient appeler puis t'insulter propre. Mais ils n'ont pas reçu ce genre d'éducation. Mais c'est moi qui ai été lavé pour venger ma mère. Parce que j'ai une raison. Saleté des femmes que tu sois. N'importe quoi. Actuellement, tu es en train de vivre, finir ta vie malheureuse. Dans la souffrance à Abidjan là-bas. Est-ce que même tu es à Abidjan? Est-ce que tu es rentré même? On ne sait même pas où tu es perdu. On ne sait même pas où tu es. Oui! Attends, je vais bloquer cette idiote-là qui veut se faire voir. Rapidement. Je pense que je suis sa camarade. Des gens qui sont assis. Ou vous faites des lives. Moi, je ne vous calcule pas. Je ne vous calcule même pas. Parce que je ne vous vois pas. Une amie s'en va sort pour m'allumer. J'allume avec le tas qui va avec. Ça ne chauffe pas. Une amie s'en va sort. J'allume avec le tas qui va avec. Parce qu'on se connaît. Ça ne chauffe pas. Laide femme, vilaine femme. Ton con qui coule. Il faut apprendre à ta fille. Ça y est, tu n'as même pas à cause d'aller mougou avec les garçons. À cause de la paix, d'aller des spermatozoïdes en spermatozoïdes. Tu n'as même pas appris à laver. Appris à ta fille comment laver les pètes blanches. Jusqu'à présent, elle traîne les pètes blanches actuellement. Jusqu'à elle est obligée pour la mougou dans le noir. Parce que c'est vilain à voir. Tu as parlé à qui? À Sylvia, dont sa mère a appris à faire sa toilette intime. À Sylvia, sa mère a appris tout. Quand elle fait l'amour, elle se déshabille dans la lumière. Elle fait bien l'amour, on la voit, c'est l'amour. Hein? Connerie que tu sois. Connerie que tu sois. Connerie que tu sois. Je vais te laver ce soir, tu vas faire un AVC.
C'est vous, vous êtes mardi plein de vos familles là-bas. Mais c'est vous qui ne restez pas tranquille. Est-ce que tu n'as même pas drépanosité de merci? Hein? Salico que tu sois. Je vais me lever. Ça, ce n'est que partie remise. Et je vous attends encore. Ce n'est que partie remise. Et je vous attends encore. Ce soir, je ferme le chapitre. Ce soir, je ferme le chapitre. Parce que j'ai fait propre. Il n'y a pas l'homme pour moi. J'ai dit, je fais live et puis je vous allume propre. Il n'y a pas que... Vous êtes foutus, vous avez mon lien fatigué. Mais pour prendre caméra, pour me parler à moi, Sylvia, vous ne pouvez pas. Mon volume est fort ce soir-là même. Ça chauffe point. Le live s'en va. C'est-à-dire, avant que si Snap, j'ai mis, les gens se sont bien rigolés. Et puis aujourd'hui, en live, et ça part, les vidéos vont partir propre. Et je tourne ma caméra et puis j'avance tranquille. Ça ne chauffe point. Tu vas pas aller reconstruire ta taille un peu. Tu vas pas aller reconstruire ta taille. Quand on dit que quelqu'un est bien, tu portes un haut. Tes joues, ton cou, ton ventre, tes seins, ton con. Tout est confondu dans le ventre. Tout est confondu dans le ventre. Idiota. Sale chienne, pétasse des lagunes d'Abidjan. Sale femme qu'on a baisée au bord de la lagune de Cocody longtemps. Sale femme qu'on baisa pour des miettes. Elle allait faire la prostitution malgré qu'elle a eu deux enfants. Elle allait faire la prostitution au bord de la lagune puyante de Cocody là. Ce n'est pas qu'elle avait les deux patates en question. Je vais laisser l'autre patate. Ce n'est pas qu'elle avait la patate en question pour venir nous emmerder avec elle. N'importe quoi. Si tu as pris à ta bataille la prostitution là, moi ma mère m'a pas pris. C'est ce que vous faites que vos enfants copient. C'est ce que vous faites que vos enfants copient. Idiote que tu sois, sale chienne. Tu as pris ton con pour aller baiser au bord de la lagune. Vous connaissez Corniche de Cocody là. C'est là-bas que cette femme a fait la prostitution. C'est là-bas qu'elle avait toutes ses odeurs. Son innocent mauvais comme cela. Oh ah! Ça chauffe pas. On va aller où on va aller. On va aller où on va aller. Et vous avez déjà dit. Hé! Si c'est pour partir pour trouver mon papa avec un rafat de Dieu, ici prête. Mon fils, où il est là? Il est en sécurité. J'ai un seul enfant, ça chauffe pas. D'accord? Vous ne me connaissez pas encore. Vous pensez que j'ai quelque chose à perdre? Hein? Vous allez prendre ma maman pour faire jouer sur votre page. Oui, elle doit relooker sa mère. Au lieu de passer le temps à faire relooking pour dire relooking de style garçon. Il faut venir reluquer le pouls. Viens rendre le pouls en être humain. Tu mets en grand caractère. Aujourd'hui, je fais le reluquing du pouls. C'est-à-dire du pouls à l'être humain. Du pouls à l'être humain. Parce que là, elle a l'état animal. Hein. Elle ressemble à un pouls.
Tu vois comment le pouls est confondu? On ne voit pas les membres, on ne voit pas le cou, on ne voit pas le sein, on ne voit rien. Donc viens la relouquer, la besoin d'être un être humain, s'il te plaît. Ma maman fait 1m78, viens les lancer, on voit ses bras, on voit ses pieds, on sait tout, où tout est passé. Tous ses membres du corps sont posés. Mais ça, c'est un pouls qu'elle a. On ne voit pas la tête, on ne voit pas les pieds, les membres, on ne voit rien. Juste le ventre. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. On a 3 minutes. Il a dit qu'on a la tienne là, on est revenu. Calmez-vous. Le cas est presque arrivé à Bijan, là, Jesco. Le cas arrive à Jesco. Voilà. Tu as la chance que je dois prendre mon vol. Voilà. Je dois prendre mon vol pour aller en Belgique. Voilà. Voilà. Je dois prendre mon vol pour aller en Belgique. Donc, du coup, je vais trop m'arrêter là. La prochaine fois, quand tu veux revenir encore, quand tu peux rien créer, les mêmes injures. Ça paraît pas votre mère. Ça paraît pas votre mère que vous encouragez. Vous-même, est-ce que vous l'aimez? Ça paraît pas votre mère. À ce moment, elle a fait AVC. Hein? Et je suis qu'on l'a tagué. Elle a fait AVC ce soir. Vous ne connaissez pas, quand j'ai fini de faire les vous ne connaissez pas les dégâts qui sont derrière. C'est pour ça que vous parlez. Vous êtes sur Internet, sur les dégâts derrière. Ça a combien de jours vous l'avez vu? Elle a dit qu'elle allait faire rap. Son maman était papée sur une binette. Sa maman a piqué crime ce soir. Parce qu'on n'a jamais insulté sa maman comme ça. Au départ, quand on parlait là, jusqu'à elle a dit à sa fille, quitte les réseaux sociaux. Si elle pense que je m'en accorde, elle a dit à sa fille, il faut quitter les réseaux sociaux, quitte les réseaux sociaux. Elle n'a pas quitté. Mais ce soir, ce que je lui ai fait là, elle va piquer crise cardiaque. Elle va piquer crise cardiaque ce soir. Et c'est ça, c'est entrer en matière. On va y aller. Diagbe. On va aller maintenant en guérir maintenant. Ouais, on va aller en guérir. Ina Andori. Volet. Très beau volet. Très beau volet. Amo tiegbeno, amo zrangbeno, amo vlenu pa no, amo vlenu pa bo nyima wo san be ti suwa po e tu da be chok 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 no. Da be e kre nwe. Da be e nwe. He? Aji mo me. Ma do ma ge sa ka mara bi ni. Ma do ma ge un ni mo ni pa po yan si. Ni pa bi o ma do wo. Ha? Bro ni me. Amo bo sa si su nwa o pra fa nwe. He? Amo o pa fa nwa mo amo. Nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas faire. Il a dit respecter les guéris. Faut parler avec tout le monde. Mais ne fais pas parler avec les guéris. Parce que les guéris, leurs bouches sont sales. Et puis les injures en guéris, c'est pas bon. D'accord. Je m'arrête là aujourd'hui. On va mettre la vidéo où toutes les captures que j'ai envoyées sont sorties. Je vais mettre la vidéo en question. Voilà. Donc, si vous voulez savoir où tout est quitté, Tiebe, Zrambe, Vlembei, Pou, c'est ta fille qui m'envoie les vidéos. Faut écouter. Ta fille m'envoie les documents. Elle voulait me pavloter. Faut écouter. Voilà où les documents sont quittés. Ton esprit de naissance, ton acte de mariage, celui de monsieur, l'acte de monsieur Georges Keïta. Elle-même son esprit de naissance. Tu as écouté où tout est quitté. Voilà où tout est quitté. C'est elle-même qui m'a envoyé ça. C'est ta fille qui m'envoie tout ça aujourd'hui. Si on te fuit à dehors, et puis je suis en train de démonter, je suis en train de demander que tu as mis des patates au monde. C'est ta fille qui m'a tout envoyé. Il faut écouter la voix. Tu reconnais la voix de ta fille. Voilà ça. Je te dis.
changé mon nom. Après, j'ai changé mon nom. Vous comprenez? Après, j'ai changé mon nom. Elle-même, elle le dit. Voilà. Certificat de nationalité française. C'est pour toi. Menteuse, là, c'est pour toi. C'est pour toi. Mon dossier. C'est ton dossier, ton dossier. C'est ton dossier. Mon dossier. Ouais, plus mon dossier. Je suis française de sang. Je ne suis même pas française de par procuration ou quoi. Je suis française de sang. Je suis française de sang. Ah, je peux, je te dis. La vidéo, quand vous entendez qu'elle dit, elle est française de sang, de souche et autres là. C'est cette vidéo là en question. Elle m'a envoyé pour me papoter. Document du monsieur. Les documents de sa maman. A démarré sa maman. Hein. Elle me souvient de demander pour sa maman. Hein. Elle me dit que c'est dans ses documents. Ce sont les papiers là que sa maman a envoyés ici en France pour donner à sa soeur Muriel pour faire les dépôts de sa demande de nationalité française. C'est ça, elle, Emmanuel Keïta, elle a pris. Elle dit, mais pas flotter. Les documents sont chez la maison. C'est ça qu'elle a pris pour me faire truc. Et j'allais oublier une partie. Léa Gappé. On va finir. Léa Gappé. Assovi Gappé. Il y a une dame qui s'appelle Léa Gappé sur Internet là. Pendant que, comment on appelle ça? Pendant que elle était avec, comment ça s'appelle même? Son truc là, elle était avec l'autre là. Elle baisait avec monsieur Assovi Gappé. C'est tout son gars. Gappé qui allait faire témoignage comme moi. Il serait pour dire que oui, moi il m'a vu devant l'école. Je suis allé frapper ma mère Keïta dans ces enfants là. Faut attendre monsieur Gappé. Assovi Gappé, c'est le mougousseur de la maman d'Emmanuel Keïta. C'est lui qui a été le témoin. Kobi, c'est mon oncle. Monsieur Gappé, c'est ton oncle Emmanuel Keïta. Depuis quand? Il faut appeler les choses par leur nom. Monsieur Gappé, c'est le baiser de ta maman. Voilà. Et pour, ne pas, et pour fermer la bouche de madame Gappé qui n'a rien dans son compte, une anarchiste aussi, une voleuse, une femme qui a fait la prison, parmi tous vos goûts, c'est des prisonniers. Madame Gappé qui vole 4 bancaires. Elle vole 4 bancaires des gens. Oui, oui. Madame Gappé vole 4 bancaires des gens. C'est dans ça, elle avait prison ici, en Europe ici. C'est une voleuse de 4 bancaires. C'est elle, ils ont pris comme témoin. Donc, c'est comme ça, la main des trucs, la patate, elle a pris, comment on appelle ça? Elle donnait de l'argent, elle a payé le trousseau de Madame Gappé pour fermer la bouche. Pendant ce temps, elle baisait avec comment on appelle ça? Monsieur Gappé. Tout dernièrement, quand elle est venue en France ici, là, le pou là, elle dormait pas chez sa fille, hein. Elle dormait chez M. Gappé à Sovi. C'est son baiser. Les gens baisent. Vous voyez, c'est la nymphomanie. La nymphomanie a commencé depuis les entrailles de la mère jusqu'aujourd'hui, ça trouve la fille en question. Heureusement que sa fille en question est chez son père, hein. Sinon, c'est pas bon. Parce que c'est pour ça que Rudy a dit. Laisse mon enfant. Je vais m'occuper de mon enfant. Va. Parce que si Rudy laissait sa fille en question, elle allait copier le comportement de sa mère. Sa fille n'allait pas autre chose. Une menteuse qui me dit, oui, j'ai pris un appartement à Bijan, que j'ai payé l'appartement. C'est pour moi l'appartement que ça va être ma fille. Et pourtant, la petite fille est depuis la naissance de son père. Il a évité le pire. Donc, imaginez-vous les enfants qui sont à elle actuellement. C'est pour ça que les enfants ne sont pas heureux. Hein? Léa Gappé. Si dans votre, je vous donne un propre de menteur, de voleur, d'une ancienne prisonnière là, enlève mon dedans. Vous m'applaudissez, vous faites partout en vous là. Enlevez mon dedans. Imbécile là. On va remettre la vidéo pour que tu puisses voir encore. Ah, je peux, je te dis. Après, je vais changer mon nom. Certificat de nationalité française. Mon dossier. Mon dossier. Pour ma nationalité française. Je suis française de sang. Je ne suis même pas française de par procuration ou quoi. Je suis française de sang. Française de sang. Voilà. Donc, c'est ta fille qui m'envoie les documents. Voilà. C'est-à-dire, elle, là,
Tellement qu'elle voulait blanchir son image sur Internet, elle m'a envoyé ça pour que je puisse mettre pour dire, ah, Sylvia, elle va mettre sur Internet. Et puis les gens ont dit qu'elle est française. Ou au moment où ça chauffait sur elle ici, on dit que non, elle n'a pas de cas de ce jour-là. Oh, Sylvia, voilà la vidéo. Voilà les papiers. Il va mettre sur Internet. Tout ça, c'est elle qui m'envoie tout ça pour que je puisse mettre sur Internet. Donc aujourd'hui, je l'ai mis en pignon. Je ne suis pas allée. La page, là où j'ai enlevé sur Internet, c'est là. Le WhatsApp où elle m'a envoyé, c'est là. Voilà. Je suis pas allée chez les gens pour prendre les documents. Mais comme je suis intelligente là un peu, j'ai vu les documents, puis j'ai commencé à lire mon gros œil là de loin. Il dit, toi là, Golando de menti là, hein. Parce que vous la connaissez, c'est une pauvreté. Quand oui, je suis française. Je suis française. Tantôt tu dis que tu attends 4 des de 10 ans. Tantôt tu dis, tu veux dire aux gens que non, tu es française. Donc, dans un fait de montrer, de prouver aux gens que tu es française, tu as cassé les papiers de ta mère bâtarde, de ta mère pétasse. Donc, Micheline Keïta, si tes documents sont dérodus, c'est ta fille qui me les a envoyés. Voilà. Ce papa-là, c'est ta fille qui m'a envoyé. Et elle me dit toujours que tu es une bandit, que tu es une voleuse. C'est ta fille qui me disait ça. Que c'est en 2019 qu'elle a commencé à parler avec toi. Sinon, elle ne parlait pas avec toi. Elle ne parlait pas avec un membre de ta famille, de votre famille là-bas. C'est elle qui m'a tout raconté. Je ne suis pas allée par quelqu'un. Oh, c'est ta fille. La preuve de la vidéo est là. Tu entends bien son nom. Où elle dit que je suis française. Elle voulait montrer à Internet qu'elle est française depuis. Une française qui marche avec les récépissés, récépissés. Non, ouais. Quel genre de française ça? Depuis quand on donne récépissé à français? Depuis quand on donne récépissé à français? Donc, imaginez Keïta. Si tout est dehors aujourd'hui là, c'est ta propre fille qui m'a envoyé les documents. Elle voulait que je mette ça sur Internet. C'est ça que je combattais pour elle. Elle t'a pas dit la vérité. Je combattais pour elle sur Internet. J'étais à Warriors, la capitana. C'est quand on était à elle là, personne ne pouvait la toucher. Parce que mon volume est lourd et puis elle était en sécurité. Donc elle me dit, si jamais ça, dis-la là-bas que je suis française. Voilà, j'ai pas de nom. Je montre les documents. Les parties où on va français, pas que les gens allaient avaler ça. Moi, j'ai gardé la vidéo. Donc, c'est aujourd'hui qu'il y a mis. Tu vois un peu, là? J'ai mis ça une fois. C'est pour ça que les gens ont pris ça une fois. Eux, ils n'ont rien compris. Mais quand il y a mis là, c'est ça que les gens ont dit. Ah, ils n'ont rien compris. C'est maintenant qu'ils vous expliquent le pourquoi de tout. Je décortique bien la vidéo maintenant pour vous montrer tout. Parce que je n'ai pas mis tout au départ. Voilà. Donc, Micheline Keïta. Ta fille qui a envoyé les documents, oh. Emprunte-toi ta fille ce soir, oh. Après toi, elle a prouvé à Facebook qu'elle est française. C'est que je sais, Micheline Keïta, c'est que tu es française, toi. Mais ta fille n'est pas française, oh. Elle voulait nous montrer qu'elle est française, oh. Bon, les chers amis, je vais vous laisser, j'allais traîner ma valise. Micheline Keïta, dis-moi, tu es de... Non, taille de... Micheline Keïta, ça c'est 99, elle, 99, c'est la taille qu'elle a. Je te trouve une gaine demain. Comme ta fille refuse de donner la gaine, demain je vais en Belgique. Je vais te trouver une gaine. D'accord? Voilà. Sur ce débat est clos encore. Je n'ai qu'à voir ni un mec sanguine ou même ni quelqu'un bâtard de quelqu'un dit que oui, Sylvia, elle est bête, elle est menteuse, oui, elle est folle. Je n'ai qu'à voir encore quelqu'un. Je n'ai qu'à voir quelqu'un parler encore. Elle m'a souri encore sur vous. Ça chauffe point. Tu sors, tu parles, je parle, ça chauffe pas. Et là, c'est moi qui ferme. Je suis la télécommande de Facebook. J'ai fermé ce chapitre en question. Ce dossier-là, il n'y a que moi seul qui peut le traiter au rabien dans les noms et les putes. Parce que j'ai toutes les preuves. Preuves à la pute. Pas, ça chauffe pas. Oui. Donc, le dossier est fermé. Demain, on a un live. Et les autres jours qui vont arriver, je vais récupérer. Couper tête pour jeter Ezao de Nine, parce qu'elle n'est pas Gugu. Elle n'est pas de Gugu. J'en vais à Gugu parce qu'elle a donné le nom Zao. Le nom Zao, c'est les femmes battantes. C'est pas n'importe qui porte le nom Zao. C'est pour ça que j'en vais à Gugu. Je vais vous récupérer maintenant. Couper tête pour jeter. Tu vois qu'elle a oublié, t'as pas oublié. Je te récupérer maintenant. Donc, mes chers congosseurs, congosseuses, c'était un plaisir pour moi. On s'est tous amusés pendant les. Ça y est, deux directs. Dès que je répondrai que non, c'est 20 directs, c'est fait. Tellement que c'est lourd, c'est fort. Ne me testez pas et ne me tentez pas. Je donne le AVC et les migraines aux gens. D'accord? Vous connaissez qui je suis. Ok?
quand on décide d'aller s'exprimer à quelque part, avant que ça n'arrive, quand vous décidez d'aller vous exprimer là-bas, là, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller moins que vous partez en justice, non. Donc fermez là. Vous pensez que vous allez parler, mais mettez. Non, 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 je ne mettais pas. Tu sors et sors. Et ton rap de game que tu allais faire là, si je vois que tu fais parabole sur moi, je t'allume. Ça ne change pas. Elle finit de parler. La fille de Nonzi a fini de parler. C'est ça qui s'agit. Voilà. Voilà. Maintenant, je peux dormir dans la paix du Seigneur. Je vais traîner ma valise maintenant. Voilà. Bisous, les amis. Dégustez le direct et puis on se dit à ciao, ciao, ciao. Je ne vais pas le supprimer. Ok? Bye, bye.